Bonjour, bonjour YouTube, bonjour à celles et ceux qui nous regardent en replay, puisque je sais que vous êtes de plus en plus nombreux, nombreuses, donc ça fait extrêmement plaisir. Un nouvel épisode cette semaine. Euh, on va parler d'étoiles, bien évidemment, parce qu'il y en a des choses à dire et qu'en plus, bah, j'avais pas forcément de gros sujets à la une cette semaine et je me suis dit, tiens, on va se pencher sur une personnalité que moi j'apprécie beaucoup, hein, je peux vous le dire. Donc je serais peut-être pas la personne la plus objective aujourd'hui, mais je pense que quand même il y a assez de choses à dire puisque étoiles, c'est quand même pas un. Enfin, c'est un peu con de dire que c'est pas un streamer comme les autres parce que chaque streamer est. Chaque créateur, euh, créatrice de contenu est unique, mais il a apporté quelque chose de nouveau qui moi m'a beaucoup inspiré, même dans ma propre pratique. Donc c'est pour ça que je voulais qu'on en parle. Et puis euh, récemment, il a euh, gagné donc la semaine dernière le Streamer's Award. Alors si je dis pas de bêtises, je crois même que c'est le premier streamer francophone à remporter un prix, en tout cas pour cette année c'est sûr. Euh, à vérifier, euh, j'ai pas forcément euh, trouvé la réponse, mais euh, mais voilà donc on va on va parler de lui, on va parler aussi de l'expansion des streamers euh, francophones à l'international. Euh, vous allez voir euh, pas mal de choses à dire. Euh, on va parler aussi d'une info, info qui est euh, chaude, puisqu'une influenceuse américaine euh, a été euh, condamnée, euh, en tout cas, a reconnu sa culpabilité euh, euh, dans euh, des faits de maltraitance. Vous allez voir, c'est une histoire assez deep, euh, dont je ne vais pas forcément évoquer tous les détails, mais je vous mettrai aussi des informations, etc., euh, pour qu'on en parle, parce que plus largement, on peut parler aussi de, de ces comptes-là, des comptes d'éducation, des comptes. Euh, des, 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 des chaînes familiales dont c'est des sujets qu'on a déjà parlé mais c'est l'occasion d'en reparler euh, et tous les toutes les problématiques puisque moi je suis plutôt euh, assez unanime sur le fait que c'est globalement très très nul euh, et que c'est quelque chose contre lequel il faut euh, globalement se battre euh, et puis on terminera sur un sujet Oh, plutôt, euh, plutôt rapide, on parlera de euh, la question de la précarité étudiante sur euh, TikTok, puisqu'il y a eu l'émergence d'un hashtag qui s'appelle la minute étudiante. Donc on va parler de ça aussi, et de globalement, euh, comment aujourd'hui aussi il euh, y a euh, cette espèce d'émergence de essayer de se faire de l'argent euh, via les réseaux sociaux, euh, euh, sans forcément créer du contenu, mais simplement en utilisant les fonctionnalités de monétisation des plateformes, ce qui est très intéressant en fait comme, comme, euh, comme phénomène. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc, J'espère que ça vous intéressera. Je ne sais pas si ça sera très long. Euh, pour ce qui est d'étoiles, euh, bien sûr que j'ai écouté des trucs, mais ça va être beaucoup des choses que je vais dire de tête. Donc peut-être que j'oublierai des choses, peut-être que je rentrerai pas dans les détails de tout. Si vous avez aussi euh, des choses qui vous ont marqué euh, euh, qu'il a fait ou que j'ai pas évoqué, etc., n'hésitez pas à à le rappeler dans les commentaires, n'hésitez pas aussi à le dire. N'hésitez pas aussi s'il y a d'autres profils euh, émergents du streaming ou de la création de contenu qui vous intéressent, on pourra s'y intéresser, on pourra s'y pencher. Et, euh, et voilà, <laughs> je crois que j'ai fait, fait le tour pour euh, donc ce euh, programme de la semaine. On va commencer d'ailleurs, donc ce n'est pas dans l'ordre, mais vous avez tous les time codes euh, pour retrouver si euh, vous avez des sujets en particulier qui vous, qui vous intéressent plus que d'autres. Je rappelle aussi, parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément très clair, euh, dans le titre, je mets souvent le sujet à la une. Donc là en l'occurrence c'est celui de étoile. Euh, mais euh, je parle aussi de d'autres sujets, puisqu'on m'a beaucoup reproché la semaine dernière, euh, notamment en commentaire euh, sur YouTube, euh, de passer 1h45 à parler du cas d'Abrèche Frère. Euh, ce qui n'est absolument pas le cas, puisque c'est précisé, on en a parlé pendant peut-être... Moins de la moitié euh, du stream, et surtout qu'on n'a pas parlé euh, vraiment de lui, mais plus du phénomène. Essayez d'écouter au bout, essayez au moins de savoir vraiment quelle est la teneur du sujet avant de vous prononcer en disant que je capitalise sur euh, euh, un phénomène qui est euh, putaclic pour euh, faire des vues, puisque <laughs> ça m'est arrivé et ça m'a fait beaucoup rire, puisque en fait c'est pas le cas et qu'on est allé plus loin. Bref. Mais je fais un petit rappel, parce que je me dis, au moins si vous avez écouté jusque-là, peut-être que vous pourrez comprendre un peu que euh, pour les besoins euh, des miniatures et des titres, je me focus sur euh, le sujet à la une, mais qu'il y a toujours trois sujets minimum par semaine. Voilà. Merci, di merci Dinard. YouTube Bing YouTube. Ouais, bien sûr. Après, moi, vous savez, hein, je supprime les commentaires, j'en ai rien à foutre. Hein. Les commentaires qui sont pas, euh, pas euh, pertinents, bah, je les supprime. Voilà, je m'en fous. Euh, c'est ma chaîne. C'est euh... une journaliste, normal que tu parles d'actu. Il y en a, ouais, c'est quelque chose qui. Euh... Après, je m'en fiche, hein, c'est pas, pas, pas très grave. Et puis, euh... Et puis vous savez, dès qu'on parle de ce genre de sujet, il y a toutes ces communautés-là qu'on vient justement remettre en, en question, remettre en perspective, qui viennent comme si elles se sentaient agressées. Alors qu'en fait, quand on regarde le sujet, non seulement euh, j'ai pas forcément dit du mal de ce que proposait la Brèche Frère euh, J'en ai même plutôt été aussi sur certains aspects que ça pouvait amener une bonne forme de critique de certains contenus sur, euh, sur TikTok, etc. Mais vous savez, généralement, ces gens-là se limitent, et moi je le sais, hein, puisque je sais à peu près quels sont les watch times euh, se limitent au titre. Et, euh, et c'est tout. Donc bon, c'est pas très grave, hein, mais. Euh... Mais voilà. Pensez à follow et à mettre la cloche, bien évidemment. Non, mais voilà. Euh, après, c'est plus pour garder des traces en soi. Euh... Euh, je ne suis pas forcément à fond sur le fait de faire en sorte que ça, 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 ça ait un impact sur YouTube. Hein. J'aime beaucoup en tout cas tes perspectives, parfois je ne suis pas d'accord, mais ça reste très intéressant et poussé. Après, euh, encore une fois, hein, et d'ailleurs, euh, merci pour ton message. Le but c'est pas que vous soyez d'accord avec moi, sinon, enfin, pas que vous soyez euh, tout le temps en full d'accord avec moi, parce que sinon, bah, on se fait un peu chier aussi, c'est de c'est d'avoir euh, chacun à sa manière de considérer les choses par rapport à son expérience personnelle, par rapport aussi à sa vision, tout simplement, par rapport aux, euh, à, la, à la connaissance qu'il a, etc. Donc bien sûr que euh, on peut même en discuter et euh, ne vous dites pas, euh, bah, je ne suis pas d'accord, euh, elle va mal le prendre si je lui dis, bien évidemment que non, hein. je dirais pas, euh, euh, je peux être amené à dire, euh, ça me semble moins pertinent, mais c'est encore une fois mon avis, bien évidemment. Hein. Donc voilà. Enfin bref, euh, du coup, donc voilà, donc, vous avez des critiques, des... des... Comment dire En fait, tant que ça reste constructif et intéressant, moi j'ai aucun souci avec ça. Quand c'est juste pour venir euh, critiquer en n'ayant ni... Euh, en fait, en n'ayant même pas cherché à écouter au fond le fond du sujet, c'est un peu dommage. Et puis du coup, bah, pour moi, ça n'est pas pertinent, je trouve, même pour les autres qui vont venir ensuite potentiellement chercher des informations supplémentaires en commentaire, etc. Donc pour pas polluer bah je supprime quand c'est pas pertinent, et puis de toute façon, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux, donc euh, voilà. voilà. Salut, Arjoa. Critique le FPS de Bob l'éponge, j'étais trop dur. Ouais, non, ça par contre, c'est un enfer. Hein, c'est un enfer. Euh... Mais bon, ça c'est un autre sujet. Tu <laughs> coupes des poireaux, c'est normal, ça pique les yeux. Euh, à mon sens, non, mais peut-être. À, à vérifier, hein, À vérifier si quelqu'un a une réponse, hein. <laughs> Donc pour commencer, on va parler donc euh, d'un sujet euh, assez deep. Donc euh, je tiens d'abord à vous prévenir que euh, c'est un sujet deep, qui. Donc je vais mettre un disclaimer. Ça va parler de maltraitance, ça va parler d'abus. Je ne vais pas rentrer dans les détails, euh, mais il y a quand même des choses, il faut mettre des mots dessus. Euh, J'ai euh, volontairement récupéré des images euh, et euh, des extraits vidéo dont je vous mettrai d'ailleurs... Euh, voilà, les liens des articles et euh, des vidéos dont je me suis euh, servi pour préparer cette, euh, ce sujet, etc. J'ai volontairement flouté, enfin, pris des images qui floutent les enfants mineurs, même si aujourd'hui vous pouvez totalement trouver leur tête, etc. parce que je ne veux pas participer à, euh, à divulguer leur identité, etc. puisqu'on parle quand même d'individus qui sont jeunes, on parle de faits qui sont extrêmement récents. Et... Euh et, euh, et donc, euh, du coup, voilà. Mais, euh, mais on va quand même évoquer, euh, on va quand même euh, parler d'eux et de ce qu'ils ont vécu. Alors, je vais remettre un petit peu en perspective euh, ce qui s'est passé, puisque euh, même moi, je n'étais pas tout à fait au courant de l'affaire. J'avais entendu parler de certains trucs. Euh, attendez, je vais juste remettre un peu de musique. Vous me dites si le son est fort. Dans mes oreilles, c'est très fort. Hop, là, vous n'avez plus rien, bien sûr. Salut, Krablin, t'inquiète, on vient juste de commencer, même si euh, on dirait pas selon le, le temps, mais euh, on a parlé d'autres trucs avant, donc vous inquiétez pas. J'ai regardé un beau bon reportage YouTube, c'était hyper intéressant. Euh, je crois que c'était Sonia. Oui, alors moi aussi, je me suis appuyée sur, euh, notamment, euh, Sadiovana et Sonia Lu, qui en ont parlé. Je me suis aussi, appu à, à, je me suis aussi appuyée sur euh, d'autres storytellers euh, euh, plus... Euh, euh, anglophone. Euh, et globalement, voilà, euh, euh, on va pas rentrer dans les détails, euh, mais c'est juste parce que bah, c'est important d'en parler, ça fait partie des sujets de la semaine. Et puis surtout, globalement, on va essayer d'étendre un peu le sujet et de pas se limiter à ceux qu'elle a en particulier. Salut Séraphène, installez-vous. Cette famille à cheveux bleus est très angoissante. Je te l'accorde, je te l'accorde. <laughs> Des articles in English, ouais. Alors, bon, on va remettre un peu en contexte. Alors, je m'excuse d'ailleurs, aujourd'hui, ça risque d'être un peu brouillon parce que ma tête est en vrac et que j ai, j ai, je me suis euh, renseignée sur plein de sujets en l'espace d'une seule après-midi, donc j'ai dû un peu tout... Euh... Et vous savez comment moi je divague beaucoup, donc voilà. S'il y a des moments où ça part un peu trop en couille, vous me dites et j'essaye de, re de revenir un peu, mais bon, voilà, on va, on va essayer de traiter les choses euh, une à une. Euh, donc, déjà, euh, en gros, euh, comment, alors, comment je vais commencer ce sujet Est-ce que je commence par vous parler de euh, cette influenceuse Est-ce que je vous parle de l'élément déclencheur Non, je vais vous parler d'abord de cette influenceuse. Alors, l'influenceuse en question dont on va parler aujourd'hui s'appelle euh, Ruby Frankie. Ruby Frankie, c'est une Américaine d'une quarantaine d'années. Euh, très tradit, hein, euh, qui a donc six enfants, qui euh, à la naissance de son dernier enfant a ouvert une chaîne YouTube qui s'appelle 8 Passengers. Euh, C'est une chaîne qui euh, a, énormément, a, a eu énormément de popularité. Aujourd'hui, euh, comme vous pouvez vous en douter, elle n'existe plus. Elle a été fermée euh, par, euh, par la plateforme euh, suite à, euh, du coup, vous allez voir euh, euh, la condamnation et euh, les accusations dont elle a été... Euh, euh, dans lesquelles elle a été euh, mise en cause. Euh, Salut casual, ça va Et euh, attendez, il n'y a pas de lumière aujourd'hui, c'est un enfer. Euh, donc, euh, donc, on est sur une chaîne euh, à euh, 2,5 millions d'abonnés. Pour vous donner une comparaison, c'est autant que la chaîne de l'ENA Situation euh, en France. Bon, voilà. Euh, je tiens à préciser avant toute chose que je me suis donc, appuyée, notamment, donc, comme je l'ai dit, sur les chaînes de Sonalue et de Donc Globalement, on va, on va, on va revenir sur, euh, sur, euh, sur ce qui a été dit au niveau de la chronologie aussi, puisque bah, globalement, en fait, cette histoire, euh, voilà, elle a été, euh, elle a été euh, plus ou moins déjà euh, détaillée, etc. Donc, si vous avez déjà vu ces vidéos, potentiellement, vous n'allez pas apprendre grand-chose, mais si vous n'avez pas vu ces vidéos, moi, je vous invite à aller les regarder. Elles sont relativement longues. Hein. Celle de Sonia, elle fait une heure, il me semble, euh, mais elle détaille. Donc, on ici, on ne va pas bah, détailler, on va revenir rapidement sur le sujet. Euh, donc, euh, pendant plusieurs années, euh, euh, Ruby, elle a tenu une chaîne avec euh, donc, euh, une autre femme qui s'appelle Jodie Hildebrandt. On va revenir sur le profil de Jodie Hildebrandt aussi. Euh, et toutes les c'était son associée. Toutes les deux, elles, avaient, euh, elles, donc, elles tenaient une chaîne YouTube. Mais l'incarnation principale était Ruby et euh, ses six enfants et aussi euh, son ex-mari. Je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, il s'appelle aussi Frankie. Je ne sais plus si c'est Julien ou... Je sais, je sais plus, attendez, j'ai peut-être son nom quelque part. Bon, pas très intéressant. Vous allez voir que le daron, euh, on n'en entend pas trop parler. Je vous mettrai les liens après, euh, Bé Béronide. Euh, je vous mettrai les liens après. Donc, ce qui s'est passé, c'est que donc, pour, pendant plusieurs années, elle a tenu une chaîne YouTube euh, où elle prodigué en gros des conseils et elle était plutôt orientée sur euh, des conseils autour de l'éducation mais très strict très traditionnels euh, on est un peu sur un modèle de wife mais qui n'a pas forcément dit son nom, c'est-à-dire que elle, elle n'était pas trop pour euh, dans des discours de euh, les femmes à la cuisine les hommes, non, elle c'était vraiment euh, autour de l'éducation, une éducation très, très stricte basée sur euh, euh, la sanction avant tout, c'est-à-dire que euh, le meilleur moyen, en gros, pour elle d'éduquer de, des enfants, c'était de les... Euh... Alors, moi, je vais dire de les torturer, mais pour elle, c'était euh, de les punir et, en gros, à... une éducation à la dure, en gros, si vous voulez. Une éducation à la dure, mais euh, à la grosse, grosse dure. Euh, pendant plusieurs années, elle a été soutenue, hein, mais bon, après, on est aux États-Unis, donc... Euh... Euh, on est aux États-Unis, donc on va dire qu'il y a beaucoup de gens aussi qui euh, s'appuient sur ce type de vidéos. Euh, euh, voilà, là-bas, euh, l'éducation, euh, l'éducation à la dure, c'est quelque chose qui est euh, beaucoup apprécié euh, par les familles, euh, euh, les familles euh, traditionnalistes, les familles euh, de catholiques, voire même parfois intégristes, etc. Où, euh, où les enfants en fait sont vus plus comme euh, euh, comment dire un moyen de, euh, de perpétrer on va dire euh, le, 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 non seulement bah, dans la société mais aussi d'être vu comme devant aider les parents comme euh, voilà devant réaliser les tâches euh, un peu comme des petits serviteurs hein, voilà pour la, pour la faire brève etc donc on est sur aussi un modèle avec beaucoup d'enfants euh, donc euh, beaucoup d'enfants euh, donc bah, potentiellement beaucoup de petites mains qui peuvent aider euh, au quotidien, euh, sur les tasses ménagères, sur tout un tas de trucs, etc. Avec cette idée qu'un euh, enfant, il, est, euh, il doit être responsable très vite et sinon, il est puni. Hein, voilà, c'est la sanction. Des petits animaux adressés. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et donc, euh, bon, euh, moi, j'ai regardé un peu des extraits de vidéos avant qu'il y ait, tout ce, avant qu y ait euh, donc, on va dire, euh, ce, ce moment pivot qui a fait changer un peu la chaîne euh, dans, une, dans un côté très sombre où déjà. Euh, on est sur une mise en scène permanente, c'est-à-dire que ces enfants-là, euh, bah, dès l'ouverture de la chaîne, il hein, y avait euh, un des enfants qui était à peine né, ont été donc, exposés très très jeunes euh, avec leur visage affiché, mais dans, toutes les, euh, dans tous leurs états, c'est-à-dire que s'ils étaient en train de pleurer, en train de demander à l'aide, etc., euh, Ruby se filmer, les exposer, les filmer, etc. Je veux quand même vous montrer quelques extraits parce que dans sa vidéo, Sonia Sonia Lu, pardon. Euh, elle, euh, elle, 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 elle le montre au début à quoi ça ressemble, euh, les extraits qu'on pouvait voir avant que euh, ce soit devenu vraiment une chaîne problématique et décriée par les fans. Donc déjà, vous allez voir que je suis pas sûre qu'en France, cette chaîne-là aurait pu survivre autant qu'elle l'a été aux États-Unis, parce qu'en France, je trouve que quand même... Il y a une idée d'éducation qui est quand même vachement plus basée sur le bien-être dans l'enfant. Et même, on en reparlera après, même les vidéastes, les créateurs de contenu parentalité sont beaucoup basés sur la parentalité positive, qui est aussi pour moi assez, euh, assez, assez, euh, assez problématique. Hein. Euh, D'ailleurs, ça fait plusieurs mois que je m'intéresse au sujet et peut-être qu'un jour j'en ferai une enquête. Euh, mais, mais voilà. Bon, déjà, toutes ces chaînes d'éducation euh, parentale, de développement personnel autour de l'enfant, etc. Pour moi, il y a énormément de problèmes. Hein, voilà. Mais on va dire qu'en France, c'est plus euh, parce que c'est des problèmes, euh, plus de, euh, de faux-semblants, plus par rapport à l'affichage des enfants, ou plus par rapport à des sortes de privilèges qui ne sont pas forcément reconnus d'une famille à l'autre, etc. Alors qu'aux États-Unis... Euh, euh, alors, il y en a certains dans la parentalité positive qui font des trucs, voilà, leur chaîne, elle est là, ils font attention, etc. Moi, je trouve qu'il y a quand même un problème avec le fait de capitaliser sur le fait que tu es parent pour te faire des thunes, mais après, voilà, il y a beaucoup d'autres trucs qui peuvent être problématiques, donc c'est pas euh, la parentalité positive euh, ou les, les chaînes d'éducation de, 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 autour de la parentalité, etc. sont pas euh, intrinsèquement problématiques, mais je trouve que le concept est un peu. Un, un peu peu limite. Après c'est mon avis perso, hein, voilà. Mais en tout cas, dans le cas de Ruby euh, et euh, de sa chaîne 8 Passengers, euh, ça a toujours été problématique. Alors attendez, est-ce que je peux vous montrer Voilà, donc au début de la vidéo, voilà quelques extraits qu'elle met. Non, je ne sais pas si le son sera bon, attendez. Donc, en gros, euh, voilà. Donc, là, euh, Sonia, elle a, elle a, elle a flouté la, les enfants. C'est pour ça que je voulais vous montrer, parce qu'il y a la plupart des autres vidéos où les enfants sont clairement affichés. Donc, voilà, euh, on est dans des enfants qui sont souvent dans des positions de détresse, euh, qui demandent à l'aide, clairement, qui ont l'air d'avoir faim, qui ont l'air d'avoir des besoins, et qui les réclament auprès de leur mère. Et au lieu d'y répondre, Évidemment, elle ne, ne répond pas à leurs besoins et elle les filme dans des états de détresse. Right over there. Attendez, je me demandais pourquoi c'était rapide. Euh, voilà, donc là, son enfant lui demande un petit déjeuner, elle lui dit qu'elle en a pas besoin. Euh, et ça, ces vidéos-là, euh, elles n'ont pas particulièrement posé de problème hein, avant qu'il y ait toute l'affaire la, qui éclate. Run elle les menace, elle les punit, mais sévèrement, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des punitions euh, du type « tu vas au coin parce que tu as fait une bêtise », on est sur, euh... vous allez voir, on va rentrer dans les détails après, mais voilà, de les forcer à faire des choses, alors qu'on est sur des enfants qui, des fois, ont euh, 5, 6, 7 ans, quoi. Hein. Alors, cette vidéo-là, vous allez la voir, elle va avoir une, un impact particulier. Donc là, elle, voilà, vous m'avez privé de ma chambre pendant sept mois. Je l'ai récupéré il y a seulement quelques semaines. Like I don't <laughs> voilà, donc elle en rigole. Elle a vraiment une posture extrêmement étrange vis-à-vis -vis de ça, c'est-à-dire que c'est comme si ça la faisait rire que ses enfants euh, euh, soient maltraités en fait. <laughs> évidemment, tout est filmé, hein, évidemment. Donc on ne sait pas ce qui se passe hors caméra. En tout cas, rien que ce qui est filmé est déjà terrifiant. Said... Et en plus, là on a l'impression, peut-être qu'on ne connaît pas, on dit ok, c'est pour rire et tout. Non, non, c'est-à-dire que là, dans l'extrait de vidéo que vous avez vu juste avant... Elle n'a pas nourri son enfant pendant toute la journée. Dear Heavenly Father, please help me to survive. Donc dans cette vidéo-là, on expliquera plus tard qu'en fait, euh, sa petite fille, euh, la plus jeune, euh, avait fait une prière en demandant justement euh, euh, à celui qu'elle priait de venir la sauver. Et, euh, et en gros, sa mère euh, en a déduit qu'en fait, elle était habitée par le diable. You I don't really go anywhere. No, I have... Et dans cet dernier extrait, on comprend qu'elle euh, prive ses enfants de toute forme de vie sociale. I no iPads, no TV, no. Take... Et ça, c'est peut-être moi le truc qui m'a le plus euh, estomaqué. C'est les menaces qu'elle perpétrait à l'encontre de ses enfants, euh, très très jeunes, euh, en les humiliant en fait. And I'm gonna cut its head off. Salut à tous Voilà, bon, bon, après je vous laisserai évidemment regarder la vidéo parce que je pense qu'elle mérite ce son détour, mais voilà, donc pour vous donner un petit peu hein, à voir, voilà. Euh... Euh, et euh, elle en rigolait, et euh, elle trouvait ça bien, et elle était aussi encouragée par les gens. Euh qui disait qu'en gros, bah, l'éducation était positive, que c'est comme ça qu'il fallait élever les enfants à la dure parce que dans ce monde, eh bah si t'es pas élevé à la dure, tu te fais bouffer. Euh, en implorant beaucoup, enfin en, 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 en donnant des conseils basés sur des informations euh, qui étaient scientifiquement complètement erronées, euh, etc. Alors il y a un mari dans cette histoire qu'on a très très peu entendu parler dans cette affaire. Euh, qui, euh, qui vous allez le voir, euh, s'en est plutôt bien sorti, mais qui pourrait être également impliqué là-dedans. Bon, ok. Donc ça, c'était pour vous poser un peu le contexte rapidement. Euh, je reprends mes notes. Euh, donc ça, c'était un peu ce qu'on a vu. Il euh, y a des choses qui sont beaucoup plus euh, horribles. Hein, si je peux vous faire, en gros, euh, euh, un petit peu après un résumé, euh, on est sur des menaces, de la maltraitance. Ils ont été affamés, terrorisés châtiment corporel, etc. Donc on va rentrer en détail là-dessus. Juste pour comprendre un peu d'où vient Ruby. Donc, Ruby, c'est une Américaine euh, qui vit dans l'Utah, dans un état euh, plutôt conservateur à la base, dans un petit lotissement, euh, et qui appartient à ce qu'on appelle le mouvement LDS. Euh, c'est euh, les derniers... Euh... Attendez, c'est quoi LDS, c'est euh, l'église des... Euh... L'église des saints des derniers jours, voilà. En gros, c'est des mormons. C'est l'Utah et l'État des mormons. Donc, ce sont des mormons. Euh, donc, c'est-à-dire avec donc, euh... bon, c'est pas une secte en soi. C'est plutôt un courant religieux qui a des grosses dérives sectaires, comme euh, beaucoup de ces mouvements-là. Euh, euh, et donc, euh, elle, a fait, elle a tenu cette chaîne avec, donc, comme je vous l'ai dit, Jodie Deal, de qui est son associée, qui, elle aussi, s'autoproclame conseillère en santé mentale, qui a des diplômes mais qui n'ont jamais été reconnus, on va dire, d'un point de vue scientifique, puisque aux États-Unis, ce genre de pratique est assez peu encadré. Euh, elles avaient plusieurs fois revendiqué leur appartenance, leur, leur proximité plus que leur appartenance, euh, et depuis. Euh, Plusieurs années, on va dire, depuis quelques années, euh, on va dire, Ruby était vraiment proche du mouvement des Mormons, etc. C'est-à-dire qu'elle vivait, euh, vivait dans une, une sorte de. Euh, de je ne sais pas trop comment a, 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 appeler ça, mais euh, euh, elle vivait entourée de d'autres membres donc, de, cette, euh, de cette église, voilà, ce bon, mouvement, on va dire. Euh, de cette communauté, merci beaucoup. J'arrive pas à trouver mes mots. Bon, il y a eu un élément déclencheur euh, qui n'a pas été déclencheur d'un point de vue de la justice, mais qui a été déclencheur au niveau de 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 de, euh, de sa communauté. Euh, C'est que, euh, comme vous avez vu, il y a eu cette vidéo il y a quelques donc on voit son fils qui dit que ça fait sept mois qu'il n'a pas dormi sur son canapé, etc., etc. Ça, ça a été le premier, euh, on va dire, euh, fait. Qui a fait que euh, sa communauté s'est retournée contre elle. C'était il y a quelques années déjà. Il y a eu des pétitions qui ont été ouvertes à, à ce moment-là. Il, eu, euh, 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 il y a eu des. Même. Il y a eu des. Oh, J'arrive pas à retrouver mes mots aujourd'hui, c'est très, 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 très grave. Il y a même eu des inspections, on va dire, euh, au niveau euh, de la protection de l'enfance, mais à l'époque. Euh, on va dire qu'ils s'y intéressaient pas trop et qu'ils n'avaient pas trouvé assez et donc euh, euh, mais à partir de ce moment-là, on va dire que euh, les gens commencent à comprendre qu'il y avait un truc qui allait pas. Et en fait, petit à petit, les gens qui ont un petit peu enquêté au début se sont rendus compte qu'en fait, euh, ce qu'elle faisait vivre à ses enfants, c'était pas seulement de l'éducation euh, euh, à la dure, mais c'était de la maltraitance. C'est-à-dire qu'après, ils se sont rendus compte dans des vidéos, en fait, oui, c'était ils avaient fait des signalements etc, qui n'avaient rien donné, mais euh, c'est-à-dire que euh, elle était capable de pas nourrir ses enfants toute la journée, s'ils n'avaient pas préparé leur goûter. Euh, C'était à eux de se lever le matin euh, et euh, de faire toutes les tâches ménagères. Sinon, euh, ils avaient, euh, bah, en fait, déjà rien droit, le droit à rien. Mais du coup, ils se retrouvaient à devoir travailler tout le week-end en plein soleil, euh, les pieds nus. Euh, mais des choses tellement horribles qu'on a retrouvé des traces extrêmement violentes de maltraitance sur ces enfants, notamment des brûlures à plusieurs degrés parce que bah, exposés au soleil toute la journée, euh, des cloques énormes au niveau des pieds. Euh... Et là, vous allez voir, pour l'instant, c'est plutôt ok. Hein, euh, genre, euh... ah oui, ayez tous les triggers d'allume, etc. Donc, je ne vais pas rentrer rentrer dans les détails. Euh... Euh, petit à prix, petit, petit à après ce qui était étrange c'est qu'il y a eu aussi un tournant c'est-à-dire que les vidéos étaient euh, de plus en plus hardcore euh, elle se elle se vantait d'avoir offert des cadeaux de Noël à ses enfants qui n'étaient pas des cadeaux de Noël mais qui étaient des couteaux avec le avec mais des couteaux de boucher c'est-à-dire qu'un enfant de 6 ans se retrouvait avec un couteau de boucher dans les mains en leur disant c'est comme ça que tu vas pouvoir te protéger contre les critiques parce qu'évidemment il y a une partie de la communauté qui s'est retournée contre elle et qui a commencé à être extrêmement violent mais euh, qui qui et donc pour protéger ses enfants elle euh, en leur disant, voilà, euh, c'est ceux qui veulent ne pas vous faire voir la vérité, etc., etc. Euh, euh, elle, et du coup, Jodie Hildebrand, qui, euh, en gros, l'a beaucoup aidée avec euh, tous ses conseils, etc. Euh, euh, donc, au début, la protection de l'enfance n'a pas pu faire grand-chose. Il y a quand même une première fermeture de la chaîne euh, suite à ça, qui a, donc, pour laquelle, en fait, Ruby avait justifié le fait que ses enfants étaient en danger par rapport aux critiques qu'il y avait euh, et non pas par rapport à ce que leur faisait subir. Donc, euh, euh, aussi parce qu'il euh, y a euh, commencé à avoir certains de ces enfants qui ont commencé à être majeurs et qui ont commencé à émettre eux-mêmes euh, des critiques là-dessus en disant bah, En fait, notre mère, elle laisse plusieurs heures euh, nos, nos, nos frères et sœurs tout seuls euh, pendant qu'elle va faire des vlogs dehors, pendant qu'elle va faire sa sieste. Euh, elle filme, euh, elle, nous, elle nous fait pleurer et ensuite elle nous filme. Enfin euh, voilà, des choses absolument terribles. Faisait qu'en fait tout ça c'était pour les caméras et que hors caméra en fait c'est pas qu'elle leur faisait du mal, c'est qu'elle ne s'intéressait pas à eux, c'est-à-dire qu'ils n'existaient pas hors des caméras. Euh, euh, donc tout ça ça a continué. Il euh, y a même un de ses fils qu'elle a env envoyé dans un camp qui s'appelle Anasazi, euh, qui euh, vous savez, ce sont ces camps euh, d'éducation à la dure aux États-Unis où euh, les enfants euh, considérés comme pour les enfants. Euh, euh, les enfants qui sont euh, à remettre sur le droit chemin euh, mais vous savez c'est ceux qui vont venir vous prendre euh, de force dans la nuit et vous vous mettre dans un camp où vous allez euh, être maltraité pendant plusieurs semaines et que vous allez plus en ressortir traumatisé qu'autre chose, si ça vous intéresse je vous invite, il y a eu beaucoup beaucoup de reportages qui ont été faits là-dessus, il y a eu beaucoup beaucoup aussi de, de D'adultes, mais qui ont vécu ça quand ils étaient jeunes, quand on parlait, etc. Et Land School par exemple, voilà, si on a sur un cas extrême, euh, des cas d'enfants euh, bah, euh, qui ont été traumatisés, qui se sont suicidés, qui, euh, qui se sont enfuis de ces camps-là, qui ont été rattrapés après, qui ont été roués de coups, qui ont été. Voilà. Et ça, ça existe toujours, encore aujourd'hui, aux États-Unis. Il hein. faut quand même se rendre compte que euh, l'éducation à la dure, c'est quelque chose qui n'est pas du tout mal vu aux États-Unis. C'est mal vu quand ça à dire, prend des proportions énormes, mais il y a beaucoup de choses que nous, en France, on considère comme véritablement de la maltraitance qui ne l'est pas forcément considérée aux États-Unis. C'est pour ça qu'une chaîne comme Eight Passengers, elle a même inspiré des gens pendant plusieurs années en fait. Sans parler des, bah, c'était un peu un Jesus Warrior comme en gros ça. Euh, donc déjà là on pourrait se dire, enfin je veux dire euh, plutôt étrange. <laughs> Euh, ce qu'on apprend après, c'est que dans le quartier, donc dans cette communauté, il y avait aussi des gens qui trouvaient ça étrange ces comportements parce que c'est une communauté, donc normalement tout est partagé. Dans la communauté des Mormons, euh, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, on c'est un peu un tout unifié, c'est-à-dire que euh, euh, les gens vivent ensemble, les enfants de l'un sont un petit peu les enfants de l'autre, etc., etc. Que, euh, on est vachement sur une sorte de partage et que du coup le fait qu'elle appartienne à cette communauté mais qu'elle ne partage rien, que ses enfants n'aient pas le droit de traîner avec les enfants des autres, etc. C'était bizarre. C'est un peu ça d'ailleurs qui s'est un peu retourné contre elle parce que en fait, euh, ce qui a été l'élément déclencheur euh, de cette affaire, c'est le 30 août 2023. Donc c'est extrêmement récent. Hein, ça, ça c'était euh, cet été. Euh, merci Nessie et merci Maître Grinchot pour vos follow. Bienvenue. Euh, en fait, euh, l'un des fils de Ruby, euh, donc l'un des plus jeunes, hein, donc un, un, un petit, hein, euh, voilà, alors je ne sais pas exactement quel est son âge, mais je crois que c'était aux alentours de 9-10 ans. Il s'est échappé en, pl en, 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 en pleine journée et il est allé sonner chez un de ses voisins. Euh, et, euh, et le voisin donc, qui a euh, bah, appelé la police immédiatement en fait, a témoigné que en fait, cet enfant-là euh, était venu, euh, s'était échappé, euh, assoiffé, affamé, apparemment très maigre. Euh, il s'était échappé non pas de la maison de Cherubi, mais de la maison de Jodie Hildebrandt, qui habitait à côté. On va revenir sur le profil de Jodie Hildebrandt après, ne vous inquiétez pas. Et, euh, et euh, il a aussi fait état que cet enfant avait donc euh, des traces de... Euh, des traces de violence au niveau des poignets, qu'il avait été scotché, enfin bref, voilà, en gros, qu'il avait été euh, attaché euh, à une chaise et, et qu'il avait réussi à s'en enfuir, etc. Euh, donc évidemment, il a appelé la police, qui est tout de suite intervenue, puisqu'en plus, la police, ils avaient déjà eu un petit peu des, des appels là-dessus, sur justement, notamment, les anciens fans qui suivaient euh, euh, la chaîne euh, de ces euh, signalements, etc. Et, euh, et donc, ils ont découvert dans la maison en fait, de Jodie Hildebrand, l'une des autres filles de Ruby, qui était elle aussi attachée à une chaise. Et en fait, euh, ils étaient punis. Et en fait, quand ils ont demandé aux enfants euh, pourquoi ils étaient accrochés comme ça, les enfants ont répondu que c'était de leur faute, qu'ils avaient été mauvais, etc. Donc, ils étaient complètement matrixés, les enfants. Et c'est-à-dire que pour eux, euh, les maltraitances qu'ils subissaient, on leur avait inculqué que c'était de leur faute. Euh, mais il faut savoir que ces enfants-là, ils pouvaient être punis juste parce que euh, ils s'étaient pas levés le matin à 6h du matin, alors qu'on parle d'un enfant qui a six ans, euh, qu'il n'avait pas préparé son repas, et donc que euh, du coup, bah en fait, euh, bah t'as pas préparé ton repas, euh, bah tu vas pas manger toute la journée, et que même des fois il y avait des professeurs qui appelaient en mode, mais ton enfant n'a rien à manger, et qu'elle disait, bah non, il a pas préparé sa bouffe et tout, et les gens étaient en mode, euh, ok. Allô, les services de protection de l'enfance, hein, allô. Hein. Donc, euh, donc, euh, donc euh, ce qui a été fait, c'est que du coup, la justice s'est véritablement penchée sur le cas et ils ont découvert tout ce dont on a parlé avant et même des choses encore plus graves. Est-ce qu'il y a des choses que je peux vous évoquer bah, euh, Et ils ont décidé d'inculper euh, Ru Ruby et Jody pour six chefs d'accusation mal de maltraitance sur mineurs, blessures physiques multiples ou torture, privation dont ouais, dont blessures physiques multiples ou torture, dont la privation de nourriture. Et préjudice émotionnel grave avec, euh, sur, les plus, sur les plus jeunes enfants. Euh, notamment, donc comme je vous avais dit, forcer euh, son fils à travailler en, euh, en plein soleil pendant plusieurs semaines sans protection, forcer sa fille à courir pieds nus dans un chemin de terre jusqu'à avoir des ampoules, euh, les faire sauter dans des cactus, punir euh, quand ils buvaient de l'eau en cachette, les attacher avec du scotch et des menottes lorsqu'ils essayaient de s'enfuir. Euh, et aussi un truc de ouf. Euh, les avoir soignés, avoir soigné leurs blessures, leurs brûlures et tout avec du miel et du piment de cayenne. Est-ce que c'est bon pour vous Et elle, se, notamment, s'est défendue en disant que l'un de ses enfants était habité par le diable, qu'il fallait qu'elle évite ça. Enfin, trop bizarre. Bon, moi, je me suis posé beaucoup de questions à me dire, mais. Euh... Et parce que quand elle en parle, elle en rigole, elle dit que c'est pas très grave. Qui s'en sortent, qui sont heureux. Bon, maintenant il faut que je vous parle d'une autre personne. Je veux vous, par... je veux vous parler de Jodie Hildebrand. Alors, je n'ai pas forcément récupéré énormément d'infos sur Jodie Hildebrand. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette chaîne, elle a été ouverte en partie sous l'impulsion de Jodie Hildebrand, qui était une très proche amie donc de Ruby euh, et qui ont décidé d'ouvrir cette chaîne dans le but d'avoir, comme je vous le disais, une chaîne euh, de conseils d'éducation. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jodie, du coup, elle, elle était donc conseillère en santé mentale et qu'elle a notamment, euh, pendant plusieurs années, tenu ce qu'on appelle euh, des thérapies qui s'appellent les Connection Classroom, dans lesquelles elle donnait des conseils de développement pour les parents, etc. Et qu'elle a été mise en cause plusieurs fois par des anciens patients ou par des enfants d'anciens patients qui, en fait, ont tous fait état de maltraitance plus ou moins similaire à ce qu'a fait subir Ruby à ses enfants. Euh... Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que Ruby n'a pas fait ça toute seule. Que Ruby euh, était euh, sous l'impulsion donc des conseils de euh, de JoDil de brand qui avait donc euh, ses euh, Connection Classroom et le plus important et le plus étonnant, c'est que euh, nos, bon, le site internet est désormais fermé, mais qu'encore aujourd'hui euh, vous pouvez avoir accès au compte Instagram, qui est toujours, alors qui n'est plus actif, mais qui est toujours ouvert, etc. Alors que no, no, normalement, quand il y a ce genre d'enquête, la plupart des choses et l'existence de ce genre de, de contenu, euh, parce qu'en fait, elle se faisait de l'argent là-dessus, en fait. C'est un peu d'ailleurs ce que soupçonnent certains, c'est qu'elle a utilisé Ruby pour faire connaître son son activité, etc. Bref. Euh, du coup, les enfants étaient beaucoup, beaucoup en charge, de, euh, sous la garde de Jodie, euh, qui, euh, elle, a aussi bah, en fait, euh, voilà, euh, fait subir les plus ou moins mêmes sévices euh, euh, aux enfants de Ruby. Euh, donc, elles sont toutes les deux accusées aujourd'hui. Euh, et justement, il euh, y, y a beaucoup de gens qui se sont interrogés d'abord sur la santé mentale de Ruby, évidemment, puisqu'ils se sont dit pour faire subir ça à ses enfants, faut forcément avoir un problème. Mais étonnamment, euh, pour sa justice, euh, enfin, pour sa défense, elle n'a pas utilisé euh, la euh, bah, les potentiels troubles mentaux, des, des maladies, etc. Elle a utilisé en fait l'argument de j'ai été manipulée par Jodie Hildebrandt euh, ». et donc euh, qu'elle aurait été manipulée euh, puisque en fait c'est elle qui lui a prodigué la majeure partie des conseils d'éducation, euh, qu'elle aurait participé à l'éloigner de ses proches. Euh, qui essayait de lui faire comprendre que ce n'était pas forcément euh, la meilleure des choses à faire, etc. Et que cet isolement a eu un influ une influence sur sa rationali rationalité. Et donc, en gros, la défense de, de Ruby, c'est de dire qu'elle s'est fait laver le cerveau par Jody, euh, notamment avec ce mouvement religieux mormon auquel appartiennent euh, Ruby et Jody. Euh, et, euh, et donc, euh, et donc euh, que c'était trop difficile pour elle de remettre en cause cette autorité. Et donc, elle est tombée. Euh, là-dedans comme dans un mouvement sectaire. Euh... Euh... Ce qui est quand même étonnant pour pas mal de spécialistes, c'est de dire euh... « Oui, mais elle n'a pas été manipulée dans le vide. » On parle quand même d'une influenceuse à plus de 2,5 millions d'abonnés qui vivaient grâce à ses vidéos. Donc, un peu étonnant qu'une influenceuse se fasse influencer, si vous voyez ce que je veux dire. Donc... Euh... Aussi par rapport au fait qu'elle n'est pas si vulnérable que ça et que son attitude dans les vidéos euh, laisse quand même pas mal d'interrogations sur le fait qu'elle était potentiellement euh, quand même euh, un minimum consciente de ce qu'elle faisait. Surtout que Jodie a aussi dit qu'il euh, y avait beaucoup de choses qu'elle avait fait subir à ses enfants qu'elle ne lui avait pas conseillé de faire. Bref, elles sont un peu en train de s'affronter l'une l'autre, quoi. Elle a aussi dit euh, Ruby. Alors, elle l'a pas forcément utilisé de fou pour sa défense, mais elle l'a aussi évoqué pour se victimiser en disant que elle-même avait été victime de violence quand elle était plus petite, que euh, elle venait d'une famille qui avait donné la même éducation à elle et à ses sœurs, mais ses propres sœurs ont contredit cette, euh, cette, euh, cette, euh, cet argument en disant que non, c'était pas vrai. Bon. vous allez voir, c'est une famille très bizarre. C'est des Mormons. Oui, c'est des Mormons. Euh, d'où le fait qu'ils soient tous très très blancs bien sûr hein. donc euh, donc euh, donc non seulement le fait de dire qu'elle a que c'est son passé ne tient pas puisque ses propres membres de sa famille ne l'ont pas soutenu et euh, de dire qu'elle a été complètement manipulée et que tout ça c'est de la faute de Jodie aussi compliqué parce que en tant qu'influenceuse euh, elle a aussi eu une image renforcée par une sorte de narcissisme et d'ego euh, pour euh, bah, pour voilà qui a pu en gros faire un cocktail explosif de une lui donne une opportunité de se faire du bif, l'autre a envie de vivre pour les caméras, donc bon, voilà. Merci, couscous brioche. Euh, donc tout ça, c'est assez. Toute cette histoire, on ne sait pas vraiment euh, ce qu'il y a à retenir, à mon sens, c'est de se dire je pense qu'elle était complètement consciente de ce qu'elle faisait euh, et qu'elle a été, on va dire, prise potentiellement par euh, une idéologie qui lui permettait de pouvoir euh, avoir une visibilité et une certaine forme d'influence. Et qu'elle en avait surtout rien à foutre de ses enfants. <laughs> voilà, aussi. Hein. Je croyais que les mormons étaient censés rester loin des technologies modernes. Ça a pas mal évolué. Ouais, ça a pas mal évolué, visiblement. Hein. <laughs> Alors, évidemment, que le mouvement des mormons, euh, la communauté des mormons, etc., euh, ne se sont pas associés à elle, hein, bien évidemment et que même elle ne l'a pas explicitement revendiqué, Mais le fait d'expliquer de, plusieurs fois qu'elles appartenaient justement à cette église, euh, des derniers saints, etc., bah, c'est proche du mouvement mormon. Donc, en fait, euh, voilà. Et puis, euh, certains, euh, certaines idées qui sont évoquées se rapprochent aussi du mouvement des mormons. Enfin, euh, bref, voilà. Euh... Mais je crois que... Euh, alors oui, c'est les Amish, mais je crois que les mormons aussi a cette idée de... Euh... Être contre en fait euh, toute forme de progrès, d'évolution, etc. Donc que l'influence ça va pas trop. Mais c'est pas que pour les Mormons d'ailleurs. Les Mormons sont au top de la tech. Ah ouais. Donc euh, ils sont parce que moi pour moi c'était un peu alors c'était pas aussi fort que les Amish mais bon bah, peut-être que j'ai peut-être que j'ai dit une bêtise. En tout cas oui ça c'est sûr que ça c'est les Amish qui sont complètement contre toute forme de technologie. Mais il me semble que euh, ils sont quand même quand même pas forcément enfin on va dire ceux qui sont le plus dans ce type de mouvement. Après, bon, il y a plein de branches, etc. Les communautés ne sont pas forcément liées les unes entre les autres, mais voilà. Oui, tous les TDJ. Le monde est dehors de la communauté contrôlée par Satan. Tu veux dire, les mormons, tu veux dire Ils sont dans la tête à fond. Ok, bah my bad. Ils sont très tradis, Ok, ah ouais, bah c'est ok. Parce que pour moi, très tradit, ça voudrait aussi dire anti-progressisme, anti-technologie, mais non, visiblement. Baptise même les morts. Ils sont derrière le site My Heritage pour récupérer, baptiser tous les humains. Ah ok. Bon bah voilà, bah très bien. Bon, non, en fait, il euh, y a une branche moment qui croit et pratique encore à la polygamie, même si c'est interdit. Incroyable. Maman sont contre le monde avec ça. Ouais, bon, du coup, du coup, d'être influenceuse, euh, pas ouf quoi. Si vous avez utilisé My Heritage une fois, vous êtes baptisé, cherchez le au secours. Ok, et ben bah vous m'apprenez un truc. Et ben bah voilà. Donc non, euh, voilà. <laughs> ce qui est quand même relativement contradictoire quand on y pense, mais bon. Si avec ça. Euh, pardon. Excusez-moi. Excusez, excusez, excusez. Excusez-moi. Donc euh, ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que Judith elle n'est pas complètement innocente, qu'elle est à l'origine de nombreuses euh, thérapies euh, qui auraient amené à des dérives. Euh, et le mari. On se demande bien ce que vient faire le mari, euh, ce qu'il a pu faire le mari, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que le mari, on en a très peu entendu parler, qu'il a plus ou moins soutenu cette éducation pendant plusieurs années, et qu'au moment où euh, Ruby et Jodie ont été condamnés, donc fin août, euh, en tout cas ont été mises en détention provisoire avant d'être reconnues coupables, euh, avant de plaider coupables, vous allez voir, c'est intéressant, euh, il a divorcé. Et il a affirmé ne pas être au courant de tout ça alors qu'il était quand même proche du mouvement, proche de Jody Lebrun aussi, mais on va dire qu'il s'est cassé. Donc aujourd'hui, euh, il n'est pas en détention provisoire, euh, il n'est pas poursuivi, euh, donc il y a de très fortes chances qu'il s'en sorte et que toute la, toute la responsabilité soit sur la mère, alors qu'il a laissé faire. Hein. Et il a même fait pire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les enfants, les mineurs euh, sont euh, donc placés, hein, ont été placés, et qu'il a demandé à récupérer leur garde. Pour l'instant, la justice se penche encore sur cette question. On ne sait pas si ça arrivera. Mais euh, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que la justice a quand même reconnu, euh, a quand même pris conscience, même si c'était un peu tard, de la gravité de tout ce qui avait été infligé à ces enfants, puisque quand Jodie Hildebrand et euh, Ruby euh, euh, ont été euh, placées en euh, détention provisoire, elles ont été placées en détention provisoire sans possibilité de... Euh, sorti euh, sous caution. Donc, vous savez, aux États-Unis, il y a un gros cheat code qui fait que quand tu es en, en détention provisoire ou même quand tu es condamné, il peut y avoir euh, une une mince euh... ah comment ah oh, oh une caution. Voilà, je vais y arriver. Merci. On peut payer une caution en fonction de la gravité et euh, si quelqu'un paye cette caution, vous pouvez sortir de prison. Libération, euh, voilà, euh, euh, sous caution. Là, ils ont refusé. Dans certains cas les plus graves, euh, la euh, libération sous caution peut être refusée. Et là, c'est le cas parce qu'ils estimaient qu'elle était trop dangereuse et qu'il ne fallait pas qu'elle retourne en contact ni avec ses enfants, ni avec toute autre forme d'être humain, finalement. Euh, donc, elles ont été placées en détention provisoire, etc. Et, euh, en fait, du coup, leur cas, il n'est pas étudié par un juge, mais par... Euh, euh, Je sais plus comment ils appellent ça. Attendez... Euh... Ils appellent ça euh, voilà, un juge conditionnel, puisqu'elles sont en détention euh, euh, provisoire. Donc, aux États-Unis, c'est un juge qui est en charge de statuer sur leur peine, euh, et non un juge classique. Et en fait, ces juges-là, j'ai appris que ce qu'ils aiment bien, c'est quand vous reconnaissez que vous avez fait une peine et que vous êtes prêt à on va dire, travailler là-dessus, etc. Euh, à euh, travailler, à devenir quelqu'un de meilleur, à reconnaître votre tort, en gros, c'est ça, en fait. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, les quatre des six chefs d'inculpation pour lesquels elles sont, euh, elles elles sont aujourd'hui euh, sous le coup de la justice, c'est 15 ans d'emprisonnement par chef d'inculpation. C'est-à-dire que si elles sont reconnues coupables de tous les chefs d'inculpation, elles peuvent prendre jusqu'à 60 ans de prison. Euh... Libération avec sursis. Non, 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 libération, euh, libération euh, euh, sous caution. Quand euh, quelqu'un paye votre caution, tu es considéré comme non coupable. Enfin, pas comme non coupable, mais comme avoir payé ta dette, quoi. Euh, C'est très bizarre les États-Unis pour ça. Hein. Et, donc, euh, et donc, euh, donc, elles sont. Euh, voilà, hein, elles peuvent prendre. Alors, dans les médias, ils disaient jusqu'à 30 ans de prison. En fait, la réalité, c'est qu'elles peuvent prendre jusqu'à 60 ans. Mais bon, on est sur des profils de deux personnes blanches, plutôt aisées. Euh, elles ne prendront jamais la peine maximale. Hein. La caution, ce n'est pas euh, pour la mise en détention provisoire seulement. Ah, peut-être Oui, c'est ça. Oui, si, c'est ça. Oui, pardon. Ah, je me suis mal exprimée, pardon. T'es quand même en probateur, oui c'est ça, c'est-à-dire que tu dois pas recommencer, mais tu es libéré. Le temps de ton jugement, il me semble, c'est ça. Bref, bon, en gros, là, ils ont refusé. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont refusé qu'elle soit euh, libérable sous caution, puisque euh, bah, quand tu es considéré comme trop dangereux, il faut que tu restes enfermé jusqu'à ce que euh, le jugement euh, soit, euh, soit donné. Donc ça peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Hein. C'est pareil en France. Et donc, bref, non mais la justice américaine, c'est une dinguerie. Hein. Déjà de pouvoir avoir ce cheat code-là, bon, bref, voilà. Et... Euh... C'est une caution, tu la récupères si tu vas jusqu'au procès, c'est pour éviter que tu quittes le pays. Ouais, ouais c'est ça. C'est l'équivalent des garanties de représentation en France pour éviter les mandats de dépôt. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Sauf que euh, je trouve qu'aux États-Unis, c'est quand même. C'est quand même toujours ce cheat code de. Euh, bah, t'as des thunes, tu peux plus t'en sortir, quoi. Après, en France, c'est un peu pareil, parce qu'il y a les amendes et tout, mais bon. Je sais pas. Après, c'est mon avis, je trouve que la justice américaine n'est pas. pas vraiment très, très, très bien faite aussi. Hein. Voilà, bon, bref donc là ça a été ça n'a pas été le cas donc voilà et euh, et donc elles ont reconnu elles se, elles se sont reconnues elles ont reconnu elles ont plaidé coupables pour quatre des six chefs d'inculpation dont elles étaient voilà c'est ça donc quatre des six chefs d'inculpation et donc en fait ce plaidé coupable il leur a permis d'éviter le procès euh, et donc si ça évitait un procès elles évitaient une enquête qui aurait permis peut-être de euh, de révéler les années de torture, peut-être même des choses qu'on ne sait pas. Donc, elles ont joué fine, elles ont été bien conseillées, comme vous pouvez le voir, elles ont plaidé coupables pour éviter le procès, et en plus, il peut y avoir une remise de peine assez importante quand on collabore avec la justice pour réduire sa peine. Donc, en gros, finalement, elles ont joué fin en, en disant « Ok, on est coupable. » De toute manière, en gros, elles savaient très bien que euh, euh, ça allait être avéré, puisqu'il y avait assez de preuves, mais qu'en évitant le procès, elles éviteraient potentiellement qu'on trouve d'autres choses pour lesquelles les inculper. Je pense que c'est le cas, sinon elles n'auraient pas fait ça, parce que quand tu sais que tu n'es pas coupable, tu ne plaides pas coupable, quand tu sais que potentiellement une enquête pourrait permettre soit d'atténuer encore plus ta peine, soit de reconnaître ta non-culpabilité, soit de te trouver des, des circonstances atténuantes, tu le fais. Là elles ne l'ont pas fait, et du coup, euh, pas de procès, donc elles sont. C'est pour ça qu'aujourd'hui on peut en parler comme coupables, parce qu'elles se sont reconnues elles-mêmes coupables. Hein. Sauf si le juge n'aime pas l'accord, le juge peut convenir de l'accord et rajouter une peine plus lourde. Ouais, c'est vrai. Mais là, en l'occurrence, ça n'a pas été le cas. Euh, et donc, là, la justice euh, est en train de statuer à l'heure actuelle, enfin en ce moment, euh, ces derniers jours, sur euh, bah, quelle va être leur peine. Elles vont prendre quand même tarif. Euh, après, avec les remises de peine, avec euh, les bonnes conduites, etc., etc., elles vont potentiellement plutôt bien s'en sortir. Le plus important, c'est de se dire que... Elles vont être tenues éloignées. Elle a perdu bien évidemment la garde de ses enfants, euh, euh, dont deux sont déjà majeurs, donc euh, voilà. Et euh, le, par, le le daron pour l'instant n'a pas récupéré la garde des enfants et euh, on ne sait pas s'il la récupérera un jour. Bon, cette histoire elle est folle. Hein. Cette histoire elle est folle d'autant que pendant plusieurs années les violences euh, infligées à des enfants ont été exposées sur internet. Euh, on parle aussi de violences psychologiques, euh, dont j'ai pas forcément beaucoup parlé, mais euh, euh, ils n'avaient pas de vie privée, ils n'avaient pas le droit de voir. Euh... En fait, c'est beaucoup de choses qui ressemblent aussi à des dérives sectaires, parce que en dehors de toutes les tortures qu'il peut y avoir, hein, et euh, en vrai, dans les sectes, il euh, y a aussi énormément de violences physique, la violence mentale, c'est-à-dire de faire croire à l'enfant qu'il est responsable de ce qu'il est en train de subir, que c'est de sa faute si euh, on le torture, que c'est pour son bien qu'on le torture, pour, euh, pour qu'il ne se perde pas sur le mauvais chemin, en quelque sorte. Il euh, y a aussi cette humiliation permanente, c'est-à-dire de les filmer en train de pleurer, de les filmer aussi quand ils disaient qu'ils ne voulaient pas l'être. Euh, et ça, vous savez, vous savez que ça, ça joue plus presque d'avoir filmé leurs enfants à son insu que euh, certaines tortures qu'elle leur a infligées. Hein. Comme quoi, la justice, est, voilà. Bon. Elle reconnaît des trucs genre « Ah, là, tu les as filmés alors qu'ils veulent pas, tu les as affichés devant des millions de personnes, c'est pas bien. Ah, tu les as privés d'eau pendant, euh, pendant une journée entière. Ah, oh, c'est pas ouf, hein, mais voilà, bon. Euh, » Merci Colos, pardon. Et, euh, et donc, et c'est donc, encore plus fou que euh, la justice ait mis du temps à se pencher sur le sujet. Qu'il a fallu que vraiment on soit sur un enfant qui a été séquestré <laughs> pour que, voilà, parce que il bah, y a eu des signalements qui avaient déjà été faits. Euh, ils ont interrogé aussi les voisins qui n'étaient pas étonnés d'apprendre ça, qui savaient qu'il se passait des trucs chelous, etc. Mais euh, personne ne parlait parce que communauté, parce que bizarre, parce que tout, tout est étrange. En fait, il y a beaucoup de gens qui sont, en fait, se sont rendus complices de, cette, de ce sadisme en fait de cette femme qui n'a pas eu de troubles mentaux euh, reconnus, c'est-à-dire que tous les psychiatres, enfin tous les spécialistes qui ont vu, ont dit que euh, non, elle était bien, malheureusement très consciente de ce qu'elle faisait, mais qu'elle était dans une forme de sadisme, c'est-à-dire qu'elle se satisfaisait même de faire souffrir ses enfants. On la voit rigoler, euh, on la voit euh, euh, même prendre du plaisir à infliger des peines à ses enfants, enfin des, des peines, à infliger des tortures à ses enfants, euh, en montrant à sa communauté, en montrant à ses fans que euh, euh, elle est un modèle euh, un, important pour les jeunes parents etc donc Combien de personnes ont répété ça en se disant qu'ils faisaient quelque chose de bien Il ne faut quand même pas oublier qu'il n'y euh, a pas de mode d'emploi pour être parent. C'est-à-dire que, euh, et c'est je pense pour ça aussi que ces chaînes-là euh, de parentalité, etc., fonctionnent bien, c'est qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne savent pas comment éduquer leurs enfants et qui se retrouvent un peu à bout et du coup qui se tournent un peu vers tout et n'importe quoi en se disant « Ah, mais si mon enfant écrit, il est capricieux etc., euh, il faut que… Euh, c'est parce que je ne suis pas assez autoritaire, c'est parce que… » Enfin voilà, c'est euh, très 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 étrange. Hein. Et puis aux États-Unis, on est aussi sur des endroits, enfin l'Utah, voilà, c'est un, un État lui-même très emprunt euh, par euh, cette communauté religieuse, euh, très, euh, avec des coins très isolés, etc., où les gens en fait, euh, vivent dans une sorte de petit microcosme, où euh, en fait, tout le monde se connaît tellement que s'il y en a un qui se met les autres à dos, bah, ça devient vivable. Donc en fait, il y a aussi cette culture du silence pour s'acheter sa tranquillité aussi. Bon là, cet homme-là, quand il a trouvé Saint-Enfant, il n'a pas pu ne rien faire. Peut-être que si ça avait été quelqu'un d'autre, il ne pas appelé la police, on ne sait pas. Donc il a eu de la ils ont eu de la chance, en fait, en quelque sorte. Et, euh, et, euh, et donc aujourd'hui, voilà, ils sont condamnés. Mais, euh, mais voilà, il a fallu que ça aille très très loin. Et on est quand même sur des enfants qui ont été torturés pendant plusieurs années sous les yeux de leurs parents. Aussi, il y avait ces humiliations-là dont je vous parlais. Il euh, euh, y a une vidéo où euh, ils, euh, ils, euh, ils, euh, ils interceptent un échange entre un garçon, donc un de leurs fils qui était adolescent, qui devait avoir genre 15-16 ans et, euh, et quelqu'un, et en fait il s'avère que potentiellement c'était quelqu'un avec qui il avait une relation, euh, voilà, une amoureuse ou un truc comme ça, et ils ont euh, affiché ces messages, euh, mais quand je dis affiché, c'est-à-dire qu'ils les ont lus devant toute la famille, mais aussi devant tout, toutes les personnes qui regardaient la vidéo, puisque c'était filmé bien évidemment, pour l'humilier, pour lui dire qu'il ne fallait pas qu'il ait euh, de petites amies, etc. etc. donc euh, ils étaient emprisonnés, en fait, au sein de, ils s'étaient séquestrés au sein de cette maison dans laquelle, en fait, ils étaient torturés. Euh, des fois, ils pouvaient ne pas aller à l'école pendant plusieurs jours parce que, bah, en fait, euh, quand on leur demandait, bah, en fait, euh, j'ai dû travailler euh, toute la journée. Enfin, c'est des trucs horribles, quoi. Merci Bernie, merci beaucoup pour ton sub. Donc, euh, je trouve ça fou que le père ait pu s'en sortir comme s'il n'avait aucune responsabilité dans l'éducation de ses enfants. Ouais, bien sûr, ah, bah, ça, encore une fois, hein, parce que, bah, évidemment, qui s'occupait de l'éducation des enfants, c'est forcément la mère, donc forcément le père. Euh... Bon, la justice, c'est pas complètement. Euh... Convaincu du fait qu'il n'ait aucune euh, responsabilité là-dedans, bien sûr, mais ils n'ont pas assez de preuves. Ils n'ont pas assez de preuves et c'est ça qui est. Euh, voilà. Il euh, y a encore des choses à dire <laughs> sur cette affaire. Je vais essayer d'aller vite. Euh, euh, évidemment, Jodie, euh, elle a arrêté ses activités, même s'il y a encore le compte Instagram donc de euh, Classroom Connection qui est encore. Euh, Effectif, et il y a encore quelques semaines, euh, le, compte, le, le site web sur lequel elle donnait ses formations était encore actif. Évidemment, tout a été fermé depuis, mais ça a mis du temps. Hein. Euh, et en plus, au final, elles ont été quand même assez malines parce qu'elles ont fait les choses en ordre avec la justice pour s'en sortir le mieux possible. Euh, C'est-à-dire qu'au lieu de se retrouver potentiellement avec des peines de prison à vie, alors je ne sais pas si dans l'Utah il y a la peine de mort. <laughs> mais euh, avec des peines extrêmement lourdes. Elles s'en sortent, euh, elles, vont prendre plus... bon, elles vont prendre beaucoup de prison, mais beaucoup moins que ce qu'elles auraient pu prendre si, euh, si elles avaient euh, moins collaboré, si elles avaient été moins au fait de ce qu'il faut faire pour réduire ta peine, quoi. Si elles n'avaient pas plaidé des coupables, par exemple. Euh, donc, euh, voilà, cette affaire, elle est hyper sordide. Euh, concernant les enfants, j'en ai pas trop parlé, mais euh, la justice a quand même vachement protégé... Euh, bah, l... Euh, euh, l'intimité de ces enfants-là maintenant, hein, qui ont été exposés depuis leur plus jeune enfance euh, bah, aux réseaux sociaux, à Internet. Hein, leur, im leur image était euh, vraiment visible, etc., dans des, dans des, euh, dans des, euh, dans des moments euh, vraiment où euh, ils ont été humiliés, où ils ont été voilà, ils étaient, euh, extrêmement vulnérables, etc. Mais ils ont quand même un rapport un peu particulier aux réseaux sociaux parce qu'il euh, y a deux des enfants qui sont majeurs, qui, il y a quelques temps, ont commencé à reprendre des activités sur les réseaux sociaux, en, en s'affichant, en mettant euh, bon, des stories, genre, euh, en, se, en étant soulagée, par exemple, il y avait euh, une, la plus grande fille qui avait mis une photo avec euh, les services, de, une photo avec des policiers, euh, une voiture de police, euh, en disant euh, voilà, euh, « voilà Enfin, ma mère a été arrêtée », etc. Injection d'étal ou par fusillade Oh là là, on est des États-Unis, c'est dingue. Ok, donc oui, il y a la peine de mort. Bref, bon, elles ne l'auront pas, du coup. En vrai Absolument pas pour la peine de mort, donc euh, j'ai envie de dire tant mieux, mais euh, elles vont pas non plus faire la peine. Euh, voilà, oh, c'est ouf. Je savais pas que ça se faisait encore la, la peine de mort par fusillade. Injection létale, je savais. Euh, fusillade, c'est une dinguerie, quoi. Une dinguerie. Ils vivent au Moyen Âge, quoi. c'est une... mmh. Bref, et et euh... Et euh, ils s'affichent, et notamment bah, les deux plus grands qui sont majeurs, etc., en train de danser quand on leur parle, voilà, avec des messages de euh, Je suis très heureux que ma mère soit en prison, etc., etc. Mais c'est un peu bizarre, quoi. Genre, euh... Et ils s'affichent beaucoup, et on sent qu'ils ont quand même un rapport particulier aux réseaux sociaux, où ils n'ont pas de problème avec le fait de montrer ce genre d'affaires publiquement, de s'exposer avec les audiences aussi larges qu'ils ont, parce que euh, bah, euh, les gens ont suivi cette affaire, quoi. On sent qu'ils ont un rapport, euh, ils n'ont aucun recul sur les réseaux sociaux et qu'ils euh, ne se rendent pas compte que, euh, je veux dire, euh, en train de t'afficher, en train de danser euh, avec des messages de ma mère est en prison, ma mère est en tôle, je suis libéré" de ça et tout, c'est quand même un peu bizarre. Quoi. Je crois qu'ils reviennent à la fusillade parce que l'injection d'état n'est pas assez fiable, c'est une dinguerie. Hein. Ah bah c'est sûr que la fusillade, c'est fiable. Hein. Les USA ont réalisé la première injection par asphyxie à l'azote. Oui, j'avais vu ça et apparemment euh, c'est une agonie horrible, genre. D'ailleurs, même l'injection létale, c'est une agonie horrible. Enfin, faut comprendre qu'ils ont construit toute leur vie dessus. Ouais, c'est ça. Et du coup, ils n'ont pas de trigger warning par rapport à ça, tout. Donc, on espère que ça. Euh... Merci d'être pour le follow. J'espère que tu vas bien. Euh, c'est ouais, c'est lunaire, genre, c'est terrible. Et puis surtout, bah, du coup, comme ils sont majeurs, ils ont voilà. Sont majeurs, mais ils ont genre 18-19 ans, quoi donc en fait euh, ils sont livrés à eux-mêmes, mais ils ont pas appris à vivre en fait parce qu'on les a jamais laissés avoir une vie sociale, avoir des amis, avoir des relations, avoir des contacts même avec d'autres adultes, etc. Donc c'est euh, terrifiant cette affaire, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, ému et notamment la manière dont euh, Sonia Lul raconte. C'est vraiment, euh, je mettrai le, la vidéo si vous voulez aller l'écouter parce qu'elle donne encore plus de détails et tout sur cette affaire. Et euh, ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que euh, c'est loin d'être la seule chaîne et qu'il y en a encore qui existent encore aujourd'hui, qui ont existé euh, et qui ont fait des choses aussi euh, complètement horribles sous les yeux de milliers voire de millions de, euh, de spectateurs pendant plusieurs années. Pour vous donner un petit exemple, il euh, y a euh, notamment euh, donc la première chaîne, donc The Stuffer The, euh, The Life, qui eux alors. Ils sont disparus pendant plusieurs années euh, parce qu'ils avaient fait un truc pas ouf dont je vous parlais. Ils sont revenus aujourd'hui comme si de rien n'était. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux-là, euh, je ne sais plus comment ils s'appellent, hein, mais euh, voilà, notamment Christy Stoffer et son mari, euh, se sont fait connaître parce que, pareil, c'était une chaîne de parentalité, euh, d'éducation, etc., qui, ont, il y a quelques années, avait la volonté d'adopter un enfant avec des besoins spécifiques, c'est-à-dire un enfant atteint de troubles du spectre autistique ou de troubles neuroatypiques, etc. Donc euh, avait besoin d'un accompagnement précis. Et là, je crois qu'en l'occurrence, c'était un enfant qui était atteint de trisomie, euh, euh, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, ou une, une forme d'autisme aigu. Et, euh, et qui, euh, au bout de quelques années, ont annoncé qu'ils lui avaient trouvé une nouvelle famille parce que l'éducation était trop dure. En gros, ils ont abandonné leur enfant qu'ils avaient adopté. Après avoir, à mon sens, euh, je pense, euh, fait, le, assez de, le, le, ils avaient fait assez de clics et puis ça les amusait plus. Donc, euh, comme on abandonne un chien après l'avoir adopté pendant les vacances et qu'il était mignon deux minutes, mais que maintenant qu'il faut clairement s'en occuper. Hein. Et donc, ça a été. Euh, Salut, Nod. Et merci, euh, Tite Lily. Et, euh, et donc ça ça n'a pas du tout plu à leurs fans qui les ont euh, bah, en fait euh, voilà hein, qui se sont complètement retournés contre eux etc et qui euh, donc bah, sous l'humiliation ont supprimé leur compte et ils sont revenus voilà ils sont revenus euh, avec du coup euh, leurs enfants euh, euh, biologiques important euh, une éducation alors aujourd'hui ils font plus trop parler d'eux, mais ils ont quand même abandonné un enfant qu'ils avaient adopté. Alors qu'ils avaient la volonté d'adopter un enfant euh, qui était donc euh, voilà, ils voulaient adopter un enfant euh, euh, atteint de, de troubles mentaux, atteint de, de qui avait des besoins spécifiques. Alors que c'est quand même quelque chose de particulier, tu hein. euh, sais très bien que dans tu t'engages quand tu décides d'aller d'adopter un enfant comme ça, qui potentiellement a été abandonné déjà avant. Enfin, Imaginez l'horreur que c'est quoi. Aux États-Unis, tu peux te débarrasser de tes enfants adoptés comme d'un vêtement. Ouais ouais, tu les remets aux services sociaux. C'est vraiment euh, testé, approuvé, ça t'a pas plu, tu remets, quoi. Merci, Touffle. Oui, il y a eu un documentaire sur le sujet, je vous mettrai les liens, etc. Euh, il y a aussi Fantastic Adventure, qui là, est très glauque aussi. Euh, C'est pareil, une chaîne du même style, euh, où en fait, c'était donc une femme, je sais plus comment elle s'appelle, mais qui avait donc deux, euh, deux euh, garçons euh, qu'elle avait eu biologiquement, et elle avait adopté, je crois aussi, un ou deux autres enfants, euh, donc qui étaient donc ses enfants adoptifs. Et en fait, euh, ces enfants adoptifs-là ont été euh, ont été victimes de traumatismes, de maltraitance pendant plusieurs années, et notamment aussi avec la complicité de ces deux garçons biologiques qui euh, frappaient, qui euh, maltraitaient ces enfants quand ils refusaient d'apparaître à la caméra, etc. Elle a été aussi arrêtée et ses fils aussi. Alors j'ai pas eu d'informations sur ses fils. Je crois qu'ils ont, euh, en fait, le... qu ont été condamnés, mais elle, en fait, il me semble qu'ils ont été condamnés, mais qu'ils ont jamais, qu'ils avaient été reconnus, euh, en fait, ils avaient été reconnus coupables, mais qu'en fait le procès, euh, non, c'est plus compliqué. Ils avaient, été, non, pardon, ils avaient été, mis en détention provisoire avec leur mère et qu'en fait le procès a jamais eu lieu puisque leur mère est morte en détention provisoire d'un AVC. Donc je crois qu'ils ont été relâchés après quoi. Du coup il n'y a pas eu d'enquête. Voilà. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas plus. Donc au final ils ont maltraité un enfant et puis bah, visiblement ça va bien pour eux quoi. Et pour terminer sur ce gros sujet. Euh, J'ai mis trois chaînes en bas euh, vous, qui, qui ressemblent clairement à des chaînes d'IA, genre trop chelou, hein, genre je vous les mets en gros. Mais ce ne sont pas des IA, hein, donc on a euh, Bonnie et Lane, o -O -O -Lane euh, Julie Desrues, donc vraiment avec des photos, des descriptions, on dirait des fausses chaînes, genre... Et... Euh, merde, et Ellie et Jared. Vraiment, quand on voit la description et les photos, c'est une dinguerie, genre vraiment c'est on dirait des IA, mais non, en fait, ce sont les sœurs de Ruby, euh, qui elles aussi ont toutes les trois des chaînes un petit peu dans le même style d'éducation, etc., etc. Et alors, c'est intéressant parce que, comme je vous avais dit tout à l'heure, euh, Normi Simulator, ah mais c'est ouf, hein. et vraiment, euh, c'est vraiment les grandes familles, euh, tradis, euh, vraiment, ou... Enfin euh, voilà, je vous invite à aller faire un tour un peu de check et tout. Donc, leurs chaînes sont toujours actives, enfin, on est sur 1,6 million d'abonnés, 1,4 million d'abonnés, 229 000 abonnés, donc on est quand même sur des grosses chaînes. Elles doivent partager la même prod. Ah, oh, je sais pas, mais c'est voilà, c'est très étrange. Et euh, et en fait, euh, elles ont évoqué cette affaire quand justement il euh, y a euh, bah, donc leur sœur qui a été condamnée, etc. Et ce qui est ouf, c'est qu'elles en ont parlé d'une manière vraiment intéressée, euh, en n'ayant jamais de mots pour leur nièce et neveu, ce qui est quand même ouf, en parlant plus de euh, de elle en fait. C'était très centré, c'était très sur. Euh, c'était très centré, c'était pour dire qu'évidemment elle condamnait, mais avec pas de mots particuliers. Alors il y avait des choses qu'elle pouvait pas commenter parce que l'affaire était en cours, bien évidemment, mais il y, ouais, y avait pas de réhumanisation de ses enfants, euh, de leur nièce et de leur neveu, etc. C'était plus pour en parler. Il y en a même une qui disait que euh, euh, ça avait nuit à son image d'influenceuse, voilà ce qu'avait fait leur soeur, etc. Enfin bref, tous ces gens-là sont extrêmement bizarres. Tous ces gens-là sont extrêmement bizarres. Et moi, ce que je trouve, c'est qu'il faut arrêter de faire des chaînes où. Euh, où en fait, ton business, c'est tes enfants, quoi. Enfin, genre, il faut arrêter de faire ça, quoi. C'est extrêmement rémunérateur et c'est en même temps, genre, terriblement déplacé, je trouve. Euh. Et même quand c'est bien fait, quoi. Je. je, je je sais pas je trouve qu'il y a toujours une certaine forme de il y a toujours quelque chose qui est un peu malsain derrière tout ça surtout quand tu exposes tes enfants bien évidemment les parents qui font de l'éducation des conseils et tout ils n'affichent pas leurs enfants bon bah déjà là c'est quand même vachement mieux <laughs> mais aux États-Unis euh Quelque chose qui est. Euh, non, si tu fais de l'éducation, si tu, si tu fais une chaîne familiale euh, de, de, de conseils parentaux, etc., tu exposes tes enfants, puisque tu es là pour montrer regardez comment ça marche bien, regardez comment enf mes enfants sont beaux, comment mes, enf mes enfants sont un modèle de perfection. Voilà pourquoi il faut écouter mes conseils. Alors qu'en France, quand même, il y a vachement plus de recul là-dessus, etc., et que ceux qui font ça, on va dire, avec un minimum d'éthique, euh, n'exposent pas leurs enfants ou essayent de le faire le, minimum, le, moins, le moins du monde et encore moins pour avoir. Euh, pour faire fleurir leur modèle économique. quoi. pose la question du consentement des enfants. Néanmoins, ça pose quand même la question du co consentement des enfants, parce que euh, même euh, pour les chaînes qui euh, exposent pas forcément leurs enfants, euh, ils vont quand même raconter leur vie, dire « Ah bah voilà, machin, euh, cette nuit, euh, c'est passé ça, etc. Enfin, » En gros, euh, exposer ta vie privée. Et on le sait, ce qui est mis sur Internet reste à jamais sur Internet. Et donc euh, peut-être que ces enfants-là euh, plus tard euh, ils n'auront peut-être pas envie qu'il y ait des vidéos où on raconte qu'il a eu la chiasse toute la nuit quand il avait quand quatre mois quoi genre c'est très étrange après encore une fois ça répond aussi à un besoin de on n'apprend pas aux gens à être parents et les parents et les parents des fois ont besoin d'aller chercher des informations donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue de « bah oui, mais il faut en parler, il faut parler de tout ça, il faut parler aussi de l'aspect négatif derrière la parentalité, hein, ça c'est hyper important, mais il faut aussi avoir un recul sur peut-être que tout n'est pas à incarner non plus, quoi, je sais pas. » c'est En sachant qu'en France, il y a le droit, à euh, et c en, c euh, je crois que c'est même euh, à l'échelle européenne, si je dis pas de bêtises, que maintenant il va y avoir aussi euh, des sanctions si enfin euh, si euh, il va y avoir des sanctions qui peuvent être euh, qui peuvent être prononcées si en fait il est reconnu que les parents n'ont pas respecté le consentement de leur enfant, etc., etc., Mais on apprend aux gens à être des parents, mais on lutte contre l'avortement. Les USA, mes amis. Ah oui, bah oui, bien sûr. Ah mais de toute façon, on n'apprend pas, oui, pardon. Oui, mais oui, bien sûr. Les 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 États-Unis, c'est c'est la terre de la contradiction euh, absolue, quoi. J'ai des GMV qui n'ont jamais montré leurs enfants tout court. Oui, et après, non seulement ils n'ont jamais montré leurs enfants, et euh, ils ne parlent pas de comment ils éduquent leurs enfants. Ils, ils sont streamers, donc euh, ils vont raconter un peu certains aspects de leur vie, euh, ils vont nous faire écouter des trucs, etc. Mais il n'y a jamais de conseil de « Ah, ben regardez comment je l'ai éduqué, il faut faire si fin. » Après, quand tu fais du storytelling et que tu es parent, forcément, tu vas être amené à parler de tes enfants. Mais il y a en parler au détour d'une conversation, et il y a faire tourner sa chaîne autour de ça. Et ça, c'est quand même vachement différent. Il y a aussi ceux qui étaient dans le lifestyle et qui, depuis, sont devenus parents. Je pense notamment à une chaîne que je suivais beaucoup quand j'étais ado qui s'appelle Je suis pas jolie, je crois, un truc comme ça. Qui, elle, du coup, s'est vachement orientée là-dessus et tout. Bon, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, pas par rapport à ça, mais par rapport à la parentalité positive. Moi, ça me. C'est comme le body positivisme, je trouve que c'est un truc de blanc privilégié, mais c'est mon avis, hein. La grosse, la grosse traîne où une époque, sonné Néo et toutes les marques carburées. Oui, et en plus, après, il y a aussi les chaînes où les enfants sont, euh, donc c'est pas basé sur l'éducation, sur etc., mais c'est les enfants qui sont les créateurs de contenu euh, qu'on met en avant, etc. Les chaînes, oui, avec des enfants. Ça, c'est un autre problème. Et c'est pas forcément le sujet, mais ça, pour moi, ça ne devrait pas exister, mais ça, c'est autre chose. De faire de l'argent sur tes enfants, c'est horrible. Hein. Parce que moi, j'ai... Je suis obligé de penser que, pardon, je suis obligé de penser qu'il y a une certaine forme de, de préméditation derrière tout ça, c'est-à-dire que ils se sont dit ah bah tiens j'ai des enfants, je vais faire quelque chose sur internet, je vais les mettre en avant, je vais créer un business model via mes enfants. J'ai pas du tout, enfin moi pour moi il y a toujours ce truc de ça a été pensé. Pas qu'ils ont fait des enfants pour ça, mais qu'il y avait ce truc de bah tant qu'à faire autant euh, autant qu'ils fassent de l'argent quoi hein. Euh, alors bien évidemment normalement euh, les parents sont pas censés toucher les argent l'argent de l'enfant etc mais dans les faits on sait que c'est toujours beaucoup plus compliqué que ça quoi. Et puis aussi il euh, y a aussi ceux qui sont pas forcément à penser de l'argent mais qui sont à porcer euh, qui pensent à euh, euh, la, la 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 popularité la notoriété que ça va leur apporter et donc pas forcément l'argent que ça va leur apporter directement, mais les opportunités que ça va leur offrir, euh, grâce à ça, etc. Pauvre Déo, il restera ja à jamais une vidéo de sa daronne qui remplit sa poubelle remplie de mouchoirs. Oh ah ouais, c'est vrai, c'est ouf. Hein. Ah ouais. Non, bon, et en plus après, ça donne des enfants qui ont des rapports extrêmement particuliers avec les réseaux sociaux, notamment les enfants de, Rudy, de Ruby, pardon, mais aussi, euh, je veux dire, soit et Nénéo, etc. Euh, Aujourd'hui, ils continuent à faire des vidéos, etc. Mais euh, quel est le recul qu'ils ont là-dessus, quoi Moi, j'ai tendance même à penser qu'il faudrait euh, qu'il faudrait encadrer après tout ça, quoi. Parce que là, on les laisse en liberté, mais y... ils ont besoin d'avoir euh, qu'on leur donne ce recul-là, parce que visiblement, ils l'ont pas eu, quoi. Ils peuvent se verser un salaire en tant qu'agent, juste employé. Oui, c'est ça aussi. <laughs> oui, en plus, ils peuvent se verser un salaire en tant qu'employé, que... Que... Qu Donc euh, bon. Salut Choco, comment elle va Bon voilà, bon en fait c'était un long sujet, Ce sera peut-être le plus long au final, je ne sais pas. Mais euh, je voulais vous en parler parce que c'est quand même assez fou quoi. Et puis que bah que en fait c'est pas parce qu'on en a fermé une que en fait y en a, il en existe encore des dizaines d'autres derrière et c'est quand même euh... voilà heureusement j'ai envie de dire en France euh... les gens ont quand même un peu plus de recul là-dessus mais mais aux États-Unis c'est la cour des miracles. Quoi. La cour des miracles et surtout ça a duré pendant des années avant qu'on se dise. Euh... Mais c'est pas normal là ce qu'ils subissent ces enfants en fait. Et que ça a été après le signalement du, du monsieur qui a retrouvé le gamin qu'ils ont enquêté et qu'ils se sont rendus compte du nombre de vidéos qui étaient problématiques sur la chaîne quoi. Et après en plus ça c'est tout ce qui est filmé mais tout ce qui n'était pas filmé on ne sûrement jamais. Enfin voilà pour ce premier euh, sujet qui n'est pas des moindres finalement. Bon. On va parler d'un truc un petit peu plus gay. Euh... Et faire passer les frais de leurs gosses en frais pro, si ça se... Mais de toute façon, ça, on le découvrira d'ici quelques années, parce qu'aujourd'hui, c'est encore assez jeune. Ouais. Même si, euh, par exemple, euh, bon, euh, soit euh, Néo, il est majeur, etc., euh, il sait pas forcément, il n'a pas forcément du recul sur ce qu'ont pu faire ses enfants, euh, ses parents, de son argent. Et moi, je pense à d'autres, genre euh, Studio Bubble Tea, toutes ces chaînes-là, etc., qui, euh, encore aujourd'hui. Euh, font du contenu avec leur, leurs enfants qui grandissent, mais euh, continuent à produire du contenu euh, où leurs enfants sont les personnages principaux. Moi, j'ai hâte, en quelque sorte, de voir dans quelques années là les, les on, on va se rendre compte qu'il y a des parents qui ont abusé de fou de ça. Et comme tu peux comme tu le disais, Carte, qui ont potentiellement euh, euh, détourné euh, voilà euh, détourné l'argent qui devait être venu à leurs enfants, etc. Et ça, ça arrivera d'ici quelques années parce qu'aujourd'hui encore, ils sont quand même relativement jeunes. Euh, c'est quand même assez récent, quand même. Hein, voilà. Donc, euh, même s'ils ont commencé il y a, il y a, il y a 10 ans, euh, voilà, les enfants ne sont quand même pas encore tous euh, très grands. Quoi. Donc, voilà. Bon. Donc, euh, donc euh, sujet euh, lourd, mais euh, comme, voilà, sujet euh, important parce que les premières victimes, euh, ce sont quand même les enfants qui seront probablement traumatisés à vie. Parce que même si là, euh, on a des enfants, les enfants de, ru de Ruby qui sont les plus âgés qui. Euh, mettant en avant qu'ils sont ultra heureux, ultra contents que leur mère ait fini en tôle, etc. Euh, ils ont quand même perdu leur mère et leur père au passage. Hein. Euh, leur mère va pot potentiellement passer euh, bah, euh, les 15 prochaines années de leur vie en prison. Et on ne sait pas derrière comment ils ont géré ça. On ne sait pas euh, comment ils ont été euh, euh, pris en charge, comment ils sont accompagnés. Et si ça n'aura pas non plus des répercussions sur eux-mêmes, sur leur famille, s'ils ont des enfants, etc. Quoi. Voilà, voilà. <laughs> Enfin, bon, parlons un petit peu d'étoiles, étoiles qui, quand même, méritent le détour. Hein. Déjà, parce que bah, pour ceux qui ne le savent pas, étoiles a remporté de la semaine dernière euh, un, un prix euh, au Streamers Award. Alors, rapidement, les Streamers Awards, c'est quoi C'est genre une cérémonie euh, qui récompense chaque année euh, les euh, meilleurs streamers dans des catégories. Dans des catégories, ça peut être meilleur streamer international. Je connais pas toutes les catégories et tout. Il faut avoir des, remplir des conditions, je crois. C'était streamer 200 heures dans une certaine catégorie. En gros, c'est des gros streamers. Hein. Voilà, c'est pas <laughs> un petit peu le gratin quoi. Oui, je suis désolée, Krablin. Je pense que c'était important d'en parler, mais bon, maintenant c'est fait. Et en gros, il était nominé notamment étoile. Il a été nominé dans deux catégories. C'était euh, meilleur streamer international. Donc, c'était en gros, je crois, en termes de communauté. En gros, c'est un prix qui est revenu, remis à celui qui a la plus grosse communauté à l'international. Et euh, meilleur streamer de jeu de combat. Il y a une catégorie pour les streamers à moins de 200 viewers aussi. Ok. Bah, super. Bah, je savais pas. Après, du coup, c'est une catégorie. Potentiellement le meilleur petit streamer de l'année. Je sais pas. Après, c'est pas 200 viewers, hein, c'est euh, 200 heures de stream. Et euh, je crois pas qu'il y a un certain nombre de, de, de viewers à avoir, mais je crois que c'est quand même. Euh... Attendez, je crois que j'avais le. Je crois que j'avais. Attendez. C'était les, euh, les. Voilà, c'était. Euh, totaliser au moins 200 heures de stream euh, sur les 12 derniers mois, dont 100 correspondant à une catégorie en particulier. Et en gros, l'attribution des prix se fait en grande partie par le vote du public, qui compte à 70% du vote final, contre 30% pour le jury. Et d'ailleurs, chez Zach Nani, quand il en avait parlé, il disait qu'il n'avait aucune chance de gagner parce qu'il n'avait pas une assez grosse communauté et que, en gros, il n'y aurait pas assez de gens pour voter pour lui. Encore une fois, Monsieur est très humble puisqu'en fait, il a remporté donc le prix du meilleur streamer de jeux de combat on n'est pas trop étonné puisque bah euh, voilà quand on sait à quel point il s'est buté euh, depuis plusieurs années sur notamment euh, euh, Smash hein, euh, donc pour ceux qui connaissent pas Smash c'est un, de... un jeu de combat quoi hein, sur plateforme et en fait son public a eu beaucoup plus euh, d'engagement de, euh, qu'il ne l'aurait imaginé bien qu'en fait il est une relative voilà c'est pas un gros streamer comme les autres américains qui étaient face à lui même si aujourd'hui il commence à, être à peser hein. il a plus d'un million euh, il a dépassé le million cette année, etc. Donc, il commence à bien rentrer dans le game. Et, euh, et si je ne dis pas de bêtises, c'est d'ailleurs le seul français qui a gagné un prix enfin, francophone. Et en fait, du coup, bah, euh, les gens ont voté. Voilà, comme quoi, euh, ça témoigne aussi qu'en France, euh, de là, euh, beaucoup plus qu'aux États-Unis, hein, de l'engagement des communautés qui sont en, en nombre beaucoup, qui paraissent en nombre moins important, mais en fait, les gens sont beaucoup plus engagés, quoi. Euh, bah, C'est pas un streamer spécialisé, c'est-à-dire qu'il fait pas que ça, mais il a quand même fait énormément. Il a juste la semaine avant la semaine avant, le, la semaine avant euh, et je crois même le jour même, il était en tournoi. Il a été au Genesis et je crois qu'il a d'ailleurs euh, plutôt bien réussi le tournoi. Et, euh, et puis aussi, il fait beaucoup de streams avec des stars internationales. On va en reparler, etc. Mais bon, du coup, euh, bah, et toi, il pèse dans le game, c'est-à-dire qu'en quelques mois, enfin quelques en un temps assez réduit, il est passé d'un euh, gros streamer, mais on va dire euh, à l'échelle euh, française, à un gros streamer international. Il était au Genesis, mais a dû abandonner à cause du prix, c'est ça. Il participe beaucoup à des commentaires, il fait énormément de tournois euh, en France, mais du coup aussi aux États-Unis, etc. Donc, euh, en fait, il était totalement légitime de gagner là-dedans, et en plus, il est, euh, il est même très fort, hein, donc euh, voilà. Top 128. Il est parti sans perdre pour aller aux awards. Quel crack Comme ça, il peut... tu peux pas avoir perdu si t'as abandonné avant. <laughs> Donc voilà. Donc je voulais un peu revenir sur euh, peut-être ceux qui le connaissent pas parce que je pense qu'on va en entendre de plus en plus parler aujourd'hui. Et moi, c'est comme je vous le disais, un streamer que j'apprécie particulièrement parce que en fait, si aujourd'hui j'ai beaucoup beaucoup euh, été sur Twitch au début, c'est en partie parce que par rapport à des choses toi a pu proposer. Euh... Je pense que vous voyez où je veux venir. Hein. Et euh, euh, donc pour revenir un petit peu sur euh, qui est Étoile. Euh, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, bon c'est euh, 26 ans. Euh, euh, il a fait des études d'ingé euh, en cybersécurité. Il a eu un diplôme pendant plusieurs années d'ailleurs parce que ça fait deux ans et demi, trois ans même pas. Je crois qu'il est en full time full time. Hein, que voilà. Mais avant ça, il a streamé pendant plusieurs années. Euh, en, euh, bah, sur le temps libre, euh, un peu comme d'autres, hein, c'est-à-dire qu'il faisait ça en parallèle de ses études, un petit peu. Euh, il se l'a buté un peu, jeux vidéo, etc. Hein, comme beaucoup, il a commencé sur Minecraft, sur Smash et tous ces jeux-là. Et, euh, et puis, euh, comme euh, la plupart d'ailleurs, hein, euh, comme c'est le cas de euh, Ultia, comme c'est le cas de Magla, comme c'est le cas de Horty et de plein d'autres, en fait, ils n'avaient pas de volonté de véritablement faire du streaming leur euh, métier, comme beaucoup de créateurs de contenu en fait aujourd'hui, euh, qui en fait faisaient ça sur leur temps libre, comme un hobby. Euh, et comme surtout du niveau des streamers, euh, bah, c'est le Covid, qui a euh, changé leur vie mmh. euh, et a commencé par lui parce qu'il racontait. Alors évidemment, je me suis appuyée sur la longue interview qu'il a donnée à Zach Nani, mais même celle qu'il avait donnée il y a trois ans. Euh, chez quoi de euh, chez 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 euh, chez DFG donc dans quoi de neuf je vous mettrai tous les liens hein, parce que je vous invite à aller écouter hein, parce qu'en dehors de ce qu'il a fait c'est sa manière qu'il a de le raconter il a une personnalité vraiment euh, très très humble et en même temps euh, il sait ce qu'il veut il sait où il va et ça c'est fou quoi euh... Euh, oui donc bon il est diabétique il en parle un peu mais c'est vraiment pas quelque chose dont il parle énormément ce qui quand il en parle de son diabète c'est plus que c'est compliqué à gérer avec son train de vie qui est extrêmement décalé je ne vais pas forcément m'arrêter là-dessus parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà, il n'en a pas fait un cheval de bataille, il n'en a pas fait un chemin euh, en disant bah, je vais sensibiliser à ça, etc. Non, il en parle des fois un peu plus. Euh... Oh non, de manière un peu. Euh... <laughs> avec ouais, beaucoup d'autodérision, mais il n'en il en parle pas euh, masse, etc. Il en parle plus pour euh, montrer que ça peut être un peu chiant, mais que quand même en France, il a encore pas mal de chance. Donc voilà, je ne vais pas m'arrêter là-dessus, mais c'est bien de le rappeler quand même. Oui, voilà, le diabète, c'est plus inclus dans ces, une anecdote où il est maladroit. Voilà, il n'en parle pas euh, plus que ça. Parce que ça reste quelqu'un quand même très discret sur sa vie. Euh, ce qui dit beaucoup, c'est que, en fait, euh, donc depuis qu'il est en full time, donc depuis le Covid, euh, globalement, il a mis sa vie de côté pour le streaming. Hein, globalement, hein, c'est ce qu'il y a à retenir. Euh, à la base, d'ailleurs, euh, juste avant le Covid, il avait prévu d'arrêter le stream. Hein, ça, il le raconte chez Zach parce qu'il allait devenir, euh, bah, du coup, il allait être en stage. Euh, vraiment, un truc de, de trop, trop euh, imposant pour continuer le, le streaming. Euh, et qu'en fait, euh, à quelques jours de commencer son stage, il y a eu le Covid. Tout a été annulé. Euh, alors, il avait déjà un petit peu un pied dans le streaming. Alors, je ne sais plus quelle est la temporalité, mais en tout cas, il a été euh, il avait déjà été dans une, une ancienne web TV qui s'appelle Level Down, si certains connaissent, à l'époque. Et euh, il a été aussi en stage chez Solari. Donc il connaissait un petit peu le milieu, mais euh, voilà, Romi, tu vois. Mais euh, il streamait assez peu solo et il était plus dans des, euh, voilà, dans des structures, etc. Mais il avait du coup pas mal déjà de contacts et il avait déjà quand même une connaissance du milieu. Et donc quand il y a eu le Covid, bah. Il a eu pas trop d'autre choix que finalement de se dire bah go le le, go le, le, le streaming et puis c'est allé très très vite quoi parce qu'il a fait partie de cette vague euh, qui ont énormément grandi grâce à ça et qui ensuite bah, sont devenus euh, les plus influents en fait à l'échelle euh, francophone française hein, francophone même plus un alors c'est présenté comme une web TV euh, mais c'est vrai que c'est plus un hébergeur de stream mais bon après voilà <laughs> Et donc, euh, et donc, euh, et donc, euh, bon, comme je le disais, hein, il a commencé avec le jeu vidéo en solo, etc. Et puis très vite, euh, bah, euh, étoile, c'était quand même euh, bon. Il avait ce profil du petit intello qui a toujours été bon à l'école. Hein, il en parle, il avait des très bonnes notes. C'était quelqu'un qui aidait beaucoup les autres. Euh, je vous invite à aller voir l'interview de Zach Nanny où vraiment on sent que c'est quelqu'un qui a toujours été extrêmement généreux et de transmettre ce qu'il savait et ce qui le passionnait aux autres. Donc le jeu vidéo. Euh, Qu'il a pu exercer vraiment euh, quand il était en école d'ingénieur et même après, etc. Puisque avant ça, bah, il était pas, euh... voilà, il était très studieux et tout, donc il jouait beaucoup moins aux jeux vidéo que ça. Il en jouait un petit peu, il était déjà passionné, etc. Mais n'était pas sa priorité. Hein. C'était pas comme quand on voit Squeezie qui a mis tout de côté parce que les jeux vidéo c'était, voilà, lui, il a vraiment fait ses études avant les jeux vidéo. J'ai du mal avec ces hyper-personnalisations. De quoi tu parles Euh, et donc, euh, et donc, euh, euh, il, euh, il a l'idée en 2020, donc pour participer, donc il participe aux events Il a l'idée de euh, de partager une autre passion qu'il a, à savoir sa passion pour euh, la euh, culture générale. En gros, c'est un hyper passionné, hyper actif, etc. qui euh, adore se cultiver sur plein de domaines particuliers. Et euh, Il a l'idée d'inviter euh, Samuel Etienne pour pour euh, pour créer un, une émission qui s'appellera Questions pour un streamer hein, qui a très 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 bien marché qui a été euh, le premier pas de euh, qui a été le premier pas de euh, Samuel Etienne sur Twitch hein, les premiers pas de Samuel Etienne sur Twitch grâce à ça donc c'est pour ça que euh que du coup, euh, on doit à étoile la présence de Samuel Etienne aujourd'hui euh, sur Twitch. Et moi, je lui dois beaucoup, puisque c'est quand Samuel Etienne a commencé à être sur Twitch que j'ai fait « Ah, mais un journaliste peut être sur Twitch !» Voilà. Et des gens qui se retrouvent propulsés en tête d'affiche et dont on entend tout le temps parler comme s'ils allaient changer le monde. Euh, moi, je suis pas dans cette perspective-là. Pour le coup, euh, si je l'ai laissé penser, euh, c'était pas... Euh c'était pas euh, ouais mon effet papillon ah mais c'est ça hein. ah mais mon effet papillon hein. euh, moi c'est pas pour dire il va changer c'est juste que euh, c'est quand même intéressant de se dire bah le mec en fait était passionné de culture générale et euh, il s'est dit bah pourquoi pas euh, partager ça aussi à ma communauté quoi et donc euh, et donc euh, moi en parallèle je commençais mon master et euh, alors j'avais déjà eu l'idée quelque temps avant mais en fait euh, on va dire ce qui s'était passé c'est que euh, on était peut-être au mois de mai je présente mon projet d'études euh, mon projet pour euh, le master, et je dis, bah en fait, euh, moi, j'aimerais peut-être faire du journalisme euh, sur Twitch, etc. Et en fait, euh, sur le coup, il se trouvait que c'était une bonne idée, mais euh, plus comme un projet. Et au moment où j'ai commencé mon master, il y a eu ce fait-là, donc en 2020, et Samuel était est arrivé, et tous mes profs m'ont dit, mais c'est génial, en fait. Donc, merci à ça. voilà euh, Merci, merci pour ça. <laughs> voilà, peut-être que si Etoile n'avait pas fait ça, peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui. Donc, merci pour ça. Et donc, euh, il a euh, donc euh, l'idée de lancer euh, donc un arc euh, Culture Générale sur sa chaîne, qui euh, continue toujours. Alors là, ça fait un moment qu'il n'a pas fait de Nuit de la Culture. Hein. Enfin, à mon sens, peut-être que, euh, que, que que je me trompe, mais pendant plusieurs années, tous les samedis soirs, c'est euh, Nuit de la Culture, Nuit de la Culture qui est... Eh ben, en fait, on fait des réacts, deux questions pour un champion. Euh, on se cultive et l'objectif c'est qu'un jour il participe à la question pour un champion et je crois que cet objectif euh, ne serait euh, voilà qu'on se rapproche de plus en plus de cet objectif puisque bah, il est fort et puis que quand ça fait trois euh, ans que euh, tu regardes des émissions en boucle tu commences à comprendre le mindset de l'émission, le lore de l'émission etc. Donc en parallèle bon, Samuel Etienne s'est lancé, il a fait ses revues de presse, maintenant c'est un, un objectif euh, de devenir pro gamer Valorant, bon ça c'est pas le sujet de la vidéo hein. <laughs> et en fait commence un arc qui euh, va extrêmement bien marché euh, et va commencer à le faire un peu sortir du lot de c'est pas seulement un gros crack euh, euh, des jeux vidéo mais c'est aussi un un, une, un putain une putain de grosse tête en fait un putain de gros cerveau genre <laughs> genre vraiment c'est voilà j'être étoile actuellement voilà et euh, et donc euh, donc voilà donc euh, comme je vous montrais hein, donc voilà euh, il va faire d'abord des premiers réacts avec Samuel Etienne et puis après il va les faire solo etc et euh, je crois même que pendant longtemps, c'était les streams sur lesquels il faisait le plus de vues. Hein, voilà, les... Il a créé un rendez-vous, le rendez-vous culturel, qui, quelque chose qui n'existait pas, en tout cas, n'avait pas cette popularité-là sur la plateforme, parce que j'ai pas envie de dire personne ne le faisait avant. Je suis persuadée qu'il y avait déjà des gens qui avaient fait ce genre de réact avant, mais que juste, bah, euh, ça n'avait pas l'aura que ça avait. quoi. Et donc, euh, il a à cœur de transmettre ses passions, de partager ce qui le plie, etc. Et comme il est passionné, bah, ça marche en fait. Et c'est le mec que ça, doit, je pensais, trop secours! Euh, et, donc, euh, et donc, ça va très bien marcher. Il va créer ce lore, il va commencer à prendre en popularité. Et puis ensuite, il va, euh, il va aller même plus loin avec la notoriété qu'il a gagnée, puisqu'il va faire euh, un nouveau format extrêmement extrêmement populaire qui s'appelle les nuits de la musée. Hein, les nuits du musée pardon les nuits de la musée oh là là les nuits du musée et donc ça va commencer euh, au musée d'art moderne avec ponce ensuite il a enchaîné versailles avec Squeezie. il a fait euh, beaubourg avec amine il a fait euh, je ne sais plus quel musée euh, musée d'orsay avec antoine daniel enfin, voilà il va inviter c'est-à-dire qu'il va réussir à mêler des personnalités du streaming à sa passion pour l'art avec un objectif qui est toujours celui de dire en fait, non seulement l'art, vous pouvez y accéder, euh, parce que même si vous habitez loin, bah moi je vous ouvre ce musée-là. Et en plus, vous allez voir, cette espèce de, euh, de, de frontière euh, intellectuelle, etc., n'existe pas. Donc, d'amener la culture sur Twitch à une population, à des gens qui peut-être s'y sentent euh, détachés, etc. Et ça va vachement bien marcher. Le Louvre, avec Léna dernièrement, qui en plus, lui, avait comme. Euh, Particularité d'avoir été traduit en parallèle en anglais avec euh, toute cette communauté-là qui lui est venue de l'extérieur, on va en revenir dessus. Et puis récemment aussi, il a même fait le Parc des Princes, etc. Donc euh, on ne sait pas ce qu'il prévoit, mais euh, toujours un peu plus gros hein, finalement. Hein. Et donc euh, ça plaît vraiment, hein, on, est sur des, on est sur des lives, le dernier live au Louvre, on était sur euh, plus de 30 000 personnes. Hein. Et le Louvre, c'était vraiment le summum en termes d'accès de qualité de contenu. Bah, en plus, c'était à pic parce qu'il savait à ce moment-là qu'il avait une, 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 une communauté internationale et que du coup, le Louvre, c'est un peu le symbole de la France, un peu culturel euh, dans l'imaginaire collectif euh, à l'international, etc. Donc euh, voilà, peut-être que si ça avait été le musée d'art moderne, il y aurait peut-être eu moins de monde. Quoique, même si, voilà. L'opéra a gagné, ouais. bon, il y en a plein. Hein. Il en a fait beaucoup des épisodes, ça vous intéresse d'ailleurs. Euh avec un guide hein, qui est euh, Philippe, qui est devenu un petit peu aussi un personnage à part entière et, euh, et puis euh, ce qui est cool c'est qu'il va inviter des gens euh, où on va pas forcément les attendre là-dessus parce qu'ils se sont jamais forcément prononcés en termes d'adhésion euh, à l'art etc. et qui vont venir avec leur personnalité aussi et qui vont du coup euh, amener quelque chose à l'émission qui va la rendre unique avec leur manière de voir les choses avec leur vécu, avec les connaissances qu'ils ont ou pas d'ailleurs dans le milieu de l'art etc. et c'est ultra passionnant parce que voilà, c'est euh, à la sauce Twitch, c'est-à-dire que c'est bon délire, on va caler quelques petits trucs cool et tout, et en même temps c'est hyper intéressant. Euh, à titre personnel, moi j'ai grandi, mes parents sont artistes, j'ai passé mes enfance, mon enfance au musée, donc euh, euh, ça m'intéressait aussi beaucoup de voir comment c'était présenté. Et franchement, si j'avais eu ça quand j'avais genre euh, j'étais ado, j'aurais adoré l'art. Ce n'était pas forcément trop le cas parce que voilà, c'était présenté d'une manière beaucoup plus euh, euh, intellectuellement voilà on prononce des mots compliqués on dit faut que tu comprennes euh, voilà c'est comme ça et euh, voilà faut voilà hein, volontairement compliqué pour être pour être élitiste alors que ça n'a pas du tout d'intérêt à l'être euh, donc voilà moi je sais que je trouve ça cool qu'on offre ça aujourd'hui à des générations euh, qui sont jeunes, etc. parce que euh, même s'il n'y a pas que des jeunes sur Twitch, vous, vous conviendrez qu'il euh, y a quand même une grosse partie de gens qui sont jeunes et qui aussi ne sont pas forcément sur ces créneaux-là, ne pas forcément avoir le réflexe d'aller au musée, etc. Donc le musée vient à eux. Je trouve que c'est une idée mais incroyable, ex ex excellente, et j'espère que ça se développera davantage. D'ailleurs. Hein. Et les invités sont toujours bien choisis. Euh, salut Elio Donc euh, non, c'est vraiment, vraiment chouette. Alors peut-être maintenant, bon, on en reparlera, mais peut-être que l'avenir, ce sera de faire des trucs comme ça à l'international. Parce qu'en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, quand il a proposé... Euh, donc le premier qu'il a fait, c'était le musée d'art moderne avec Ponce. Il a dû les travailler. Hein. Ils n'étaient pas forcément, euh, à l'époque, euh, personne n'avait fait ça. Qu'est-ce qu'ils allaient y gagner, etc. Maintenant... <laughs> Euh, c'est les musées qui l'appellent pour qu'ils le fassent parce qu'ils ont vu qu'ils pouvait gagner une, 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 une visibilité de fou et qu'il y a beaucoup de monde ensuite qui disait ben bah, en fait euh, voilà je suis allé au musée euh, euh, j'ai vu euh, tu avais fait cette présentation du musée j'ai eu envie d'aller en voir plus parce qu'il y a toujours aussi ce truc de on va te montrer mais on va pas tout te montrer c'est à dire qu'on va te montrer les trucs importants qui sont pas forcément les trucs les plus connus toujours hein, euh, je me souviens à, à, au centre Pompidou il avait montré des trucs particuliers c'était pas les trucs les plus euh, forcément les plus euh, touristiques etc mais c'est des trucs sur lesquels on avait des trucs enfin euh, des trucs à dire qui étaient intéressants et du coup qui va aussi un peu inciter les gens à y aller d'eux-mêmes aussi quoi et euh, c'était pas par hasard que c'était avec Ponce vu qu'il travaillait beaucoup le format IRL historiquement sur le Twitch faire oui bien sûr non mais tous les invités sont très bien choisis euh, le fait de faire Versailles avec Squeezie c'était aussi euh, voilà le fait de le fait aussi d'amener voyez euh, Amine qui ont des communautés aussi qui c'est très jeunes hein, parce que Amine, Billy et tout ils ont des communautés qui sont particulièrement jeunes euh, et, donc, euh, et donc il savait qu'il allait potentiellement pouvoir toucher aussi ces gens là donc c'est voilà, cette envie de partage qui est travaillée aussi pas seulement je vous le pose là vous en faites ce que vous voulez c'est non attendez je vais faire en sorte que vraiment euh, je puisse toucher le maximum de personnes parce que je veux vous montrer que euh, si je m'intéresse à ça c'est pas pour rien quoi et c'est cool c'est vraiment, c'est vraiment chouette et en parallèle voilà, c'est un grand hyperactif, hein, comme je disais, étoile, donc il, euh, il a continué à côté à faire ses tournois Smash et tout, donc à toucher des communautés très hétéroclites. Moi, je sais que les streams d'étoile, je regarde ses streams culturels, je regarde beaucoup moins ses streams jeux vidéo, et il y en a un peu pour tous les goûts, en fait, et c'est ça qui est cool. C'est ça qui est, vraiment, qui est vraiment cool et tout, donc, euh, donc voilà, je, je méritais le détour. Bon, après, voilà, donc ça, c'était euh, voilà, la passion du jeu les fameux euh, les fameuses nuits du musée, nuits du parc. En plus, la nuit du parc avec Caméto donc pareil avec une communauté qui potentiellement peut être intéressée à l'idée de découvrir le parc des Princes. Donc euh, voilà. Amine c'était intéressant de voir son opinion sur les œuvres et ses échanges avec Philippe le guide. Oui, de fou. Mais en plus, il avait euh il était euh, il était euh, il y avait des questions des fois en santé il se disait ah euh, je vais être débile en posant ces questions et tout parce que bah il a pas forcément reçu euh, une, une éducation sensible à l'art etc comme bah, ça peut être le cas de beaucoup et en fait le fait qu'il y ait énormément de pas forcément dire bienveillance mais le fait que bah, en fait non tu as ta manière de voir les choses et en fait il disait des trucs sans le savoir qui étaient ultra intéressants en mode tant de... j'avoue j'avoue c'est enfin moi ça a me passionnait voilà c'est dommage que les émissions de Ponce où il va manger avec des invités se soient arrêtées d'ailleurs. Alors, je voulais une petite explication là-dessus. J'en avais parlé avec lui à un moment parce que, pareil, je lui avais dit, euh, on, on, on en parlait, euh, c'était à, à la TwitchCon, etc. On, on avait pas mal discuté et, euh, et je lui avais demandé d'ailleurs euh, pourquoi il avait arrêté ses formats. Et en fait, il a arrêté ses formats parce qu'il trouvait qu'il avait fait le tour. En, en gros, il n'y a pas que ça, mais en gros, il a arrêté parce que un peu comme il euh, bon, y a encore des ponces la nuit. Histoire euh... du sac avec le... Oui, il y avait aussi techniquement parlant, c'était un peu compliqué. Euh... C'était un peu compliqué, mais c'était surtout qu'il trouvait que euh, ça l'amusait plus, qu'il avait fait le tour, et que finalement ça, ça finissait par devenir redondant, en fait. Donc voilà, et puis qu'il avait d'autres projets derrière et tout, donc il a... Voilà, voilà pourquoi il a arrêté. Euh, parce que pour éviter que ça devienne un format lassant, en fait c'est plutôt cool quand t'as le le réflexe de t'arrêter avant que ça devienne chiant euh, pour toi ou pour les autres hein, d'ailleurs hein, euh, voilà peut-être que les autres auraient voulu l, voilà peut-être que euh, les gens qui suivaient auraient voulu qu'il y en ait plus mais lui ça l'intéressait plus un peu comme les ponce la nuit aussi qui sont devenus de plus en plus euh, rares et voire même qui tendent à disparaître aussi parce que je pense qu'il a fait le tour aussi ponce il a envie de changer vous savez hein, les créateurs de contenu ils évoluent et leur contenu évolue aussi quoi donc euh... Et ouais, y avait euh... mais je crois qu'il y avait une partie alors je veux pas dire de bêtises mais je sais pas peut-être que Webedia était en partie derrière parce que je sais qu'à l'époque il faisait pas mal de trucs avec Webed et je sais plus si c'était les ponce la nuit qui devaient se passer avec Webed ou les euh, ou les euh, ponce la switch enfin c'était je sais plus ce qu'il y avait mais en tout cas ça l'a saoulé quoi euh... oui voilà ça le ramenait à le stream voilà donc forcément oui il me semble qu'il y avait le stream derrière donc voilà aussi ça hein. Parce que vous êtes quand il y a une boîte de prod ou une structure derrière vous, vous n'êtes pas forcément aussi libre qu'on peut le penser. Ça peut être aussi pesant. Donc euh, des fois, bah, le meilleur moyen c'est d'arrêter le format, quoi. Voilà, voilà. Donc euh, voilà. Euh, mais ça ne veut pas pour autant dire que ça ne reviendra jamais. Hein, euh. Mais euh, j'ai un peu l'impression qu'il y a aussi cette tendance des euh, aujourd'hui des vidéastes qui faisaient pendant beaucoup de temps des trucs un peu en mode format. Euh, podcast et tout, euh, ça s'est un peu arrêté parce qu'il faisait aussi un truc à un moment euh, le pot de fleurs je crois, il avait fait un podcast qui était super intéressant, pareil il l'avait arrêté, il fait plus trop de trucs bon, en fait il travaille beaucoup avec son label aujourd'hui donc c'est plutôt un travail de euh, même s'il n'est pas euh, il est pas au centre du, du, du projet, enfin qu'il est pas euh, il, il supervise un peu mais il n'est pas voilà, il, il est pas en full time là dessus etc, euh, voilà il a des projets annexes et tout donc euh, peut pas tout faire, peut pas tout faire euh, donc voilà, bon bref, pour revenir à Rétoile, euh, qu'est-ce que je disais Voilà, bon bref. Euh, bon. Et du coup, il bah, euh, y a quelque chose qui l'année dernière euh, euh, a changé sa vie. Il le dit, hein, je reprends ses mots c'est QSMP. QSMP, c'est donc le, le fameux serveur Minecraft de semi-RP qui a été donc. Euh, créé par euh, donc le super euh, super connu Kwakiti qui est donc euh, mexicain c'est un peu l'équivalent de Squeezie, enfin hein, en gros si vous, pour vous donner une idée euh, et donc euh, et donc euh, il a été invité parce que Kwakiti a donc euh, fait ce serveur avec l'obligation de réunir euh, des streamers internationaux et donc euh, il a invité aussi des français euh, notamment Baguera et Pierre, euh, ah, et Pierre pardon Antoine Daniel euh, Étoile, Je crois que j'en oublie un. Je sais plus. Bref, voilà. Ils étaient quelques-uns à être... il y avait Kameto aussi, d'ailleurs. Voilà. Euh, voilà, Je me suis reprise, Spiros. Voilà. Je crois que c'est tout, hein. Euh... Baguera et Suisse, pardon, excusez-moi. Francophone, excusez-moi. Tension, Pardon. C'est <laughs> de... vrai que Kameto est pas beaucoup venu. Bref. Euh, je sais pas si c'est la barrière de la longue ou juste que ça lui a pas trop plu ou qu'il avait pas le temps. Je sais pas trop pour vous dire. Moi, j'ai pas max suivi... Euh... Moi, le RP, euh, j'ai un peu du mal, très honnêtement. Mais c'est quand même quelque chose qui a eu un impact de fou, qui n'était pas forcément quelque chose qu'ils avaient prévu parce qu'ils ont été invités. Euh, donc ça fait quand même un an, plus d'un an même que ça dure maintenant, euh, QSMP. Et donc le but de ce serveur, c'était euh, alors c'est un serveur de survie. Donc je crois le but, c'est donc euh, je connais pas exactement, mais voilà, ils ont des missions, ils ont des trucs à faire et euh, ils sont en RP, semi RP, voilà globalement. Il avait dit qu'il voulait pas se lancer dedans vraiment, sinon ça lui aurait bou ça allait lui bouffer son agenda. Ouais, bah ouais, j'imagine. Le seul truc que j'ai vu de MP, c'est quand Baguera a fait visiter le serveur à Orti. Ouais, bon voilà. Mais bon. Mais il faut quand même comprendre que euh, ça a eu un impact de fou, ça a permis de créer des liens, parce que au niveau du sp des spectateurs, bah, nous, on a vu, mais en fait, en off, ils ont créé des vraies amitiés, hein, et c'est ce qu'il expliquait étoile euh, et ça m'a beaucoup marqué, parce qu'il le disait chez Zach Nani il disait, en fait, euh, ça a un peu euh, redonné un boost à ma carrière, à, un intérêt aussi à mon activité de streamer, parce que il sentait un petit peu, peut-être, qu'il avait, euh, qu avait fait ce qu'il avait à faire, globalement, et ça a redonné un second souffle, mais même Niveau social, il a pu rencontrer des gens qui sont devenus des amis, euh, qui étaient euh, donc une nouvelle culture, des nouvelles personnalités, quelque chose de nouveau. Enfin, vous savez, quand vous avez besoin de renouveau et tout, bah, ça marche aussi là-dessus parce que les streamers francophones, ça reste un entre-soi qui n'est pas très gros non plus, hein, euh, où tu as vite fait le tour et, euh, et euh, où il n'y a pas autant de monde que dès que tu t'ouvres euh, à un public euh, et à l'international. Voilà, et à, et à, et à euh, à des communautés anglo-saxonnes etc et donc ça a propulsé ça lui a propulsé euh, euh, sa visibilité Baguera aussi hein. euh, vraiment Baguera aussi bon Antoine Daniel un peu moins parce que Antoine est déjà tellement euh, il a déjà quasiment euh, tellement en haut du panier que il s'est pas en plus tant investi que ça parce que Baguera et Toile ils sont partis euh, au, Br euh, au Brésil je crois je sais plus où je sais plus où ils étaient partis ils sont allés aux États-Unis voilà, donc euh, donc euh, voilà, grâce à Kwakiti, euh, ils ont ouvert le champ des possibles, et puis il y a aussi ce mélange de cultures où le streaming français est sorti de sa bulle, puisqu'on a vu Kwakiti qui est venu aussi euh, euh, au GP Explorer et tout, donc ce mix. Antonani est un peu saoulé par le traitement des français sur le serveur. Ah ouais, d'accord. Et toi, la candidatée pour être président du serveur aux élections dans QSMP Donc les internationaux ils ont, ont été confrontés via les streamers du serveur. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon, voilà. Vous... vous avez beaucoup de détails que je n'ai pas parce que je l'ai pas suivi en détail parce que pareil assez peu de temps. Euh, et moi, je suis pas une grosse fan de R.P. Donc euh, ça, j'ai suivi ça de loin. Mais ce qui à retenir, c'est que euh, bah, ça, ça. Lui, il le dit. Euh, il le dit en disant, ça a changé ma vie. Alors euh, bon, euh, <laughs> je peux pas me prononcer là-dessus. En tout cas, c'est vrai que sa carrière de streamer. Euh, est en train d'évoluer de fou et qu'il a saisi cette opportunité de partir à l'étranger, de rencontrer de nouvelles personnes. Je pense qu'il en avait besoin. techniquement Enfin, vraiment, on sent et même Bagheera avait cette envie de vouloir euh, aller côtoyer de nouvelles personnalités, euh, de se mélanger à de nouveaux, euh, de nouveaux lords, une nouvelle ambiance, etc. Aussi parce qu'aux États-Unis, il faut savoir que euh les streamers ils sont, euh, ils sont euh, y en a il y en a euh, qui euh, habitent dans des maisons entières où ils vivent en fait entre streamers. donc euh, quand il s'agit de créer du contenu ensemble il expliquait c'est vachement pratique et tout euh, en France euh... en France bon il y a montpellier quoi mais c'est pas <laughs> voilà c'est son effet butterfly exactement. Donc, euh, donc voilà, et, euh, et donc aujourd'hui, Étoile est presque considéré comme un streamer international. Euh, alors, il disait, hein, il va pas partir, il va pas déménager aux États-Unis, etc. Euh, mais par contre, le nombre d'allers-retours qu'il fait, etc., euh, prouve que euh, il est en train un petit peu de s'échapper de cette bulle francophone, quoi. Oui, super idée, Neru. Ma bah, on se met en coloc. La meuf stylée house. Oh mon dieu. Moi, je sais pas si je me verrais. Euh, si imaginons, j'étais une full time et tout, je sais pas si je me verrais habiter avec que des streamers. Hein. Je, je sais pas. Hein. Je sais pas. En fait, je sais pas dans quel mindset ils sont aux États-Unis pour que ça fonctionne. Je sais pas à quel point ça fonctionne. Ouais, il bouge comme que s'il y a un tournoi. Après, il a fait aussi la TwitchCon à Vegas où il avait raconté, si vous voulez en détail un peu comment ça s'est passé, il en parle aussi chez Zack. Ils avaient loué un bus tour. Ils ont été, en plus, vraiment, il était très très bien accueilli, il était très très bien entretenu, etc. Donc forcément, ils avaient plaisir euh, beaucoup plus que quand ils participent à des events en France parce que les moyens sont beaucoup plus colossaux, etc. Donc euh, donc voilà. Et donc c'est ce nouvel arc aujourd'hui euh, qui euh, du coup a fait que le dernier, euh, la dernière nuit du musée avec euh, avec Lena était traduite donc en, en été traduite donc en anglais euh, qu'aujourd'hui ils ont même des comptes qui relaient aussi euh, bah, euh, leur actualité euh, en anglais et tout pour euh, bah pour euh... et puis même dans son chat euh, quand, bon, quand il fait qsMP il parle oh, il parle en anglais beaucoup et, euh, et puis leur chat aussi euh, peuvent être aussi euh, international et tout donc euh... oui ah non voilà c'est ça c'était pas chez Zach qui parlait c'était dans le dernier popcorn pardon excusez-moi je mélange les contenus euh, D'ailleurs, le dernier popcorn, franchement, euh, ça faisait longtemps que j'avais pas kiffé une émission euh, comme ça. Hein. C'était très très chouette. C'était très très chouette. En plus, on a appris des petites infos un peu exclues. Donc, euh, donc voilà, c'était. Étoile euh... devient notre Diolingo 2024, c'est ça en fait. Donc voilà, en vrai, je voulais vraiment faire le tour parce que euh, c'est quand même assez impressionnant cette évolution. Et puis euh, et puis du coup bah voilà comme je disais peut-être que euh, alors euh, il disait que maintenant il voulait aussi créer du contenu là-dessus que quand il était à Vegas il y avait une source inépuisable de contenu qu'il n'avait rien fait et qu'il aimerait aussi profiter de ça pour peut-être proposer des vlogs faire des trucs un petit peu plus lifestyle même s'il a toujours cette euh, idée que euh, il le disait euh, il avait pas un... la notoriété c'est pas quelque chose qui l'intéresse particulièrement et que quand il aura fait le tour il n'aura aucun souci à euh, retourner dans l'ombre en plus comme il a un diplôme d'ingénieur euh, il peut complètement retourner sur ce milieu-là etc mais que ce qui lui plaît dans le streaming c'est cette possibilité de pouvoir euh, bah, être libre euh, de, pouvoir, euh, de pouvoir avoir le rythme de vie qu'il veut etc mais que forcément tout ça ça peut fonctionner un temps mais que potentiellement voilà il y a un moment où euh, il aura aucun souci à retourner en quelque sorte dans l'ombre euh, ou à euh, partir euh, à l'international et euh, et, euh, et se faire oublier un petit peu de la France, quoi. Enfin voilà. D'ailleurs, grâce à la commune QSMP il y a un plugin Twitch de traduction en tout réel qui a été créé. Oui, exactement. Ça c'était très fort. Hein. Bah, il y avait vraiment cette volonté pour Kitty de créer un serveur où euh, vraiment, euh, vraiment international, où euh, peu importe ta langue finalement, euh, tu es amené, enfin voilà, à pouvoir être intégré à euh, cette aventure, quoi. Voilà, voilà. Salut Bulle, comment tu vas Donc euh, pas, euh, alors je sais pas si j'ai tout évoqué, mais euh, mais voilà. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est as, cet aspect. Euh, euh, les streamers francophones euh, ont compris que, euh, bah, en fait, il y avait un plafond de verre et que, en fait, si t'allais euh, chercher à l'international, tu pouvais littéralement briser ce plafond de verre, mais euh, vraiment vite, quoi. Alors après, évidemment, hein, c'est pas forcément donné à tout le monde, mais quand on voit, euh, enfin, je veux dire, son million d'abonnés, il a il a, il l'a. Il est allé très vite, hein. il avait déjà six euh, ou 700 000 abonnés avant QSMP, si je dis pas de bêtises, mais ça allait très très vite. Hein. Alors que gagner des, des follow sur Twitch hein, à un certain moment, ça se stagne en fait. Hein. Quand on voit aujourd'hui euh, as, euh, voilà, as atteint un moment, un plafond, et euh, bon après, tu gagnes plus trop et tout. Et là, lui, ça a vraiment euh, changé la donne, quoi. Et Bagheera aussi. Alors j'en ai pas parlé, peut-être que je serai amenée en parler plus tard, mais euh, pareil, Bagheera, ça lui a fait à peu près le même effet. Hein. Euh, euh, Aujourd'hui, Bagheera, euh, elle fait plus que des streams avec euh, quasiment des, 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 des streamers euh, anglo-saxons, etc. Elle s'est beaucoup détachée de la bulle FR, euh, en tout cas euh, publiquement, je veux dire, dans ses contenus. Je sais pas si c'est le cas en off, je, je la connais pas, mais... Mais, euh, mais voilà, elle s'est beaucoup détachée cette bulle pour aller chercher quelque chose potentiellement de nouveau aussi, hein. c'est pas forcément parce que ça se passait mal, ça peut être aussi, bah t'as envie de voir de nouvelles choses c'est ce que disait toi, de rencontrer des nouvelles personnes de rencontrer un lore différent parce que euh, j'imagine que le lore des streamers anglo-saxons n'est pas le même que le lore des streamers euh, francophones quoi, donc... Euh les comptes qui traduisent les tweets de Minto's en anglais juste parce qu'il est apparu quelques fois dans QSMP, ça me bute. Oui, aussi, exactement, ouais. Ouais, ça va très très vite. Hein. On sent aussi qu'il y a une volonté pour euh, les communautés à l'international d'aller chercher des streamers FR. Euh, je pense que les streamers FR, euh, le lore plaît aussi. Euh, plaît aussi, alors je ne saurais pas forcément vous expliquer pourquoi, mais plaît euh, aux communautés euh, internationales et je pense surtout américaines, quoi. Il doit y avoir un lore qui leur plaît, il doit y avoir un truc qui leur plaît chez les Français. Ou les francophones, parce que Bahgara est suisse, bien sûr. Elle fait de l'international maintenant principalement. Ouais. Salut Henri. Donc voilà. Bon, écoutez, euh, je n'ai pas forcément plus de trucs à dire, mais je sais pas ce que vous, je sais pas euh, si vous, c'est un streamer qui vous plaît. Moi, du coup, comme je disais, j'ai un peu une, un rapport particulier parce que c'est grâce au fait qu'il a vraiment euh, mis en avant Bah Samuel Etienne que moi, ça m'a poussé un peu à être inspiré là-dessus. Alors euh, évidemment, après, les choses ont évolué, mais euh, mais voilà. La France française est bonne à prendre. Bah, en fait je pense qu'ils se rendent compte que la communauté française elle n'est pas énorme, mais elle est extrêmement, extrêmement euh, engagée. Euh, et que euh, des streamers qui ont dix euh, fois moins de followers euh, font autant de stats, quoi. Voilà. Donc, euh, voilà. Après, je sais pas comment on est considéré, enfin comment les streamers francophones sont considérés à l'international. Tu disais que. Je ne sais plus qui disait que Antoine Daniel avait été saoulé par ça. Donc, je ne sais pas exactement pourquoi. Euh, après il y a ce truc de spectacle euh, chez les américains qui est moins euh, fort en France, peut-être ça c'est chiant aussi moi je sais que ce qui me saoulait un peu dans les lives de QSMP c'était que ça criait tout le temps c'était inaudible et moi ça m'a vite euh, agacé. volonté des viewers français qui connaissent un peu les deux côtés et ils veulent participer à la création de liens oui je pense aussi ouais <laughs> ça doit être ça Neru Le fait que les streamers français aiment trop mettre des pubs de leur live, ça doit peut-être faire bizarre aux enterres. » Je sais pas. Trop engagé parfois. Ouais, peut-être qu'il y ait ce parasocial là, que lui il fuit. Comme des gros botteurs et des gens de mauvaise foi, la vision internationale et des râleurs. Ouais, bah après, ok. Ouais, donc les clichés, quoi. Ouais, genre c'est drôle une fois quand on te le répète 15 fois par stream, je pense que ça doit être un peu casse-couille. Je comprends, je comprends, je comprends. Et merci, euh, monsieur même, j'avais pas vu ton follow. Merci. Et désolé si j'ai oublié des follows, d'ailleurs. Hein. Merci beaucoup. Hein. Euh, bon, du coup, ça fait quand même 2h30, vous hein, voyez, au final. Euh, mais bagarra s'est pris du harcèlement sur certains de ses choix de roleplay, il me semble. Ouais, bah... Ça, c'est toujours le revers de la médaille. Hein, c'est ça qui est terrible, hein, quand t'es une femme. Euh, euh, parce que, bah, je pense que, voilà, euh, si on compare avec ses, ses, ses compères euh, masculins, euh, voilà. C est, c est... Oui, bon, après, euh, le... Rap... <laughs> Ah, le problème du, j'allais dire racisme, non, le, le problème de, du harcèlement, de la misogynie et tout, c'est que ça, pour le coup, c'est transfrontalier. Hein, vraiment, c'est voilà. Est par les orgas. Ah oui, ah oui, ça aussi, ouais. Bah, quand t'es étoile, euh, je pense t'as moins de problèmes quand t'es euh, quelqu'un euh, qui peut-être a un rythme un peu plus euh, classique. Elle avait abandonné la brandature pour la présence de QSMP. Ouais. Bah, je suis pas étonnée. hein. Ouais, je savais pas tout ça et tout, mais maintenant que vous me le dites, je suis pas étonnée non plus. Quoi. Voilà. Bon, je crois que j'ai abordé tous les points. Euh, ouais, il a fait le Z-Event 4 fois, voilà. C'est un grand Et puis, il est... en vrai, ce qui est cool avec Étoile, c'est que... Euh, vraiment, pour le coup, c'est quelqu'un d'extrêmement accessible. Moi, j'ai une anecdote. Ok, l'instant anecdote. J'ai rencontré deux fois Étoile. Euh, la première fois, c'était au Popcorn Festival. Et genre, on avait eu une interaction trop bizarre parce que en gros, j'étais, euh, j'étais, j'étais pas toute seule. Euh, euh, j'étais assise et tout parce qu'à l'époque, j'avais euh, pu aller. Euh, j'étais, euh, je travaillais à, enfin Webedia, donc j'y étais allée euh, avec le staff et tout machin. Et euh, du coup, j'étais en backstage. Et, euh, et donc j'étais posée, donc avec la personne qui m'avait accompagnée, etc. Et, euh, et à un moment, alors moi je parlais avec des gens un peu par-ci par-là, etc. Et puis euh, il vient me voir parce que j'étais en train de manger un hein, des fameux euh, sandwichs qui nous qui nous donnait. Il vient me voir, il me dit ouais. Euh, « Ah, Salut, euh, il est bon le sandwich et tout, donc on commence vraiment à faire du small talk. Et euh, il me dit, euh, et toi euh, Mais du coup, vraiment, c'est la première fois que je parlais à quelqu'un qui euh, était un peu, euh, bah, qui était, moi clairement, je, je, je streamais même pas encore à l'époque. Il me disait, ah, mais toi, du coup, euh, bah, il s'intéresse, tu vois, genre, euh, t'es qui, tu fais quoi et tout. Donc je lui explique, moi à l'époque, je travaillais pour euh, Jamie euh, de Ses Pas Sorciers, donc je travaillais euh, donc pour Épicurieux. Donc je lui dis voilà, et il fait Ah, et donc c'était de la culture un peu, machin et tout, donc ça l'intéresse vachement. Donc on a discuté et tout, puis euh, ça s'est arrêté là globalement, mais vraiment, vraiment adorable le type. Donc déjà je trouvais ça très très cool, parce que c'était assez rare qu'on vienne te parler quand on ne te connaissait pas, et en plus te demander qui t'étais et ce que tu faisais, c'était quand même assez rare, donc je trouvais qu'il y avait un intérêt quoi. C'était Marcel Le Camion Et, euh, et genre euh, l'année dernière on s'est revu du coup à la TwitchCon. Et on discute et tout. Et, euh, et je commence vite fait à, à, à lui parler d'un truc. Et il me dit Mais oui, mais oui, mais on s'est vu l'année dernière. Mais oui. Et là, il me ressort tous les trucs dont on a parlé alors qu'on avait parlé peut-être genre 10 minutes à tout casser. Et j'étais là en mode Ouais Et il me dit Bah ouais, mais pourquoi tu me répètes ça et tout Je le sais. J'étais là en mode Mais qu'est-ce que j'en sais Mais c'est quoi Et vraiment, il était. Euh... Je ah bah sais pas, tu vas peut-être pas te souvenir, mais si, je me souviens de toi, euh, machin. Euh. Et j'avais mon splitter. Et en plus, euh, la, la, à cette époque-là, j'avais pas encore une dit, Ouais, t'avais pas les cheveux comme ça et tout, j'étais en mode... Ah ouais. Ah ouais. <laughs> Vraiment, j'étais trop chagrin j'étais en mode, comment ça tu te souviens de moi <laughs> et, euh, et ouais, il, il était en mode... Mais très très humble, je veux, bon, je suis pas... Euh c'était intéressant on a parlé de trucs et tout je en me disais, ouais mais je sais pas tu côtoies plein de monde ça m'aurait pas étonné que tu sois passé à autre chose. il me dit bah non mais je sais pas moi quand je parle avec quelqu'un ça m'intéresse et tout genre vraiment c'était enfin voilà c'est vraiment quelqu'un de très 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 euh, très ouvert et vraiment il fait pas les choses enfin il fait pas semblant quand il s'intéresse à un truc c'est vraiment euh, c'est sincère quoi et donc bah ça fait plaisir de rencontrer ce genre de personne parce que c'est vraiment pas quelqu'un de qui, qui a euh, qui a des enfin voilà il a vraiment la tête sur les épaules et euh, et pour le coup il est euh, il est très humble et très accessible et quand on a ce genre de notoriété on pourrait aussi se penser que ça peut être une manière de se protéger de voilà de 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 pas forcément euh, voilà être aussi accessible et tout et voilà c'est déjà cette anecdote oui je vous l'ai déjà raconter je me répète euh... Mais parce que il faut que vous compreniez pourquoi j'ai voilà pourquoi je disais que je l'appréciais bien et tout pour plein de raisons et notamment aussi parce que ben bah, pour l'avoir rencontré c'est vraiment quelqu'un de chouette quoi et c'est important de le dire c'est bien d'être critique c'est bien aussi de 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 de, de reconnaître quand euh, quand on quand euh, quand c'est quand c'est positif aussi quoi donc c'est pour ça que c'est vraiment chouette que ce genre de personnalité se développe même à l'international parce que pour le coup c'est euh... Je préfère que ce soit ça plutôt que d'autres types de vidéastes quoi. Hein. Voilà. Bon, je vais citer personne sinon je vais mettre des gens ados mais. Enfin, des gens ados non mais bref vous avez compris. <rire> voilà. <rire> Alors tu me l'avais dit en voc. Non non je l'avais déjà dit je crois en live. Quand c'est streamer, c'est ton métier de répéter. C'est réel, hein, c'est très réel. Il y a des problèmes de commu toxique également. Je me rappelle l'incident avec la streameuse étrangère et InoxTag. Tag. Ils rigolaient tous comme des sangs sur le chat alors que c'était juste des... Oui, mais ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est autre... encore autre chose. Je remonte un peu le chat. OK. Voilà, pour le coup, étoile. Euh... Très contente de savoir que c'est euh, qu'il a remporté un prix parce que le, franchement il le mérite et puis même son engagement et tout euh, c'est positif et moi je trouve que c'est ce dont on a besoin sur la plateforme donc euh, c'est chouette voilà c'est chouette après euh, les allers-retours avec les États-Unis je pense que ça va le il va, et ça va lui ça va le, il va kiffer ça pendant un temps et au bout d'un moment il va commencer à en avoir marre et je sais pas si à terme il sera amené à bouger là-bas et tout hein, potentiellement hein. ça dépend à voir en tout cas hâte de suivre euh, les évolutions et les suites et euh, et voilà, je voulais un peu qu'on parle de lui, voilà. Et de QSMP aussi, c'était un peu le moyen d'en parler, de parler de tout ça. Il a l'air de morfler du jetlag, ouais. Je sais pas depuis combien de temps il a pas stream, mais ça fait un moment que je l'ai pas vu. Euh... Un moment. Et il streamait hier. Ah d'accord, ok. Bon bah alors, euh... my bad, j'ai juste pas vu. Après il stream à des heures chelou. Enfin chelou, genre à des heures où euh, le monde dort. Ah oui, avant-hier il a streamé, ouais, effectivement. Mais il stream plus autant en ce moment. Hein. Après peut-être je dis ça, c'est juste moi qui suis pas tombé sur ses streams, mais euh, j'ai l'impression qu'il stream un peu moins... Euh... Pas une vraie fan. Ah, excusez-moi. Écoutez, je dois suivre tous les vidéastes, comment ça évolue et tout. Forcément, il y a des trucs que je vais louper. Hein. Euh, pas m'en vouloir. Hein. <laughs> ah, mais il est encore aux États-Unis. D'accord, là, il va rentrer. C'est pour ça. Cette année, il a pris la résolution de prendre plus de pauses. Ouais, c'est important d'en parler parce que pour le coup, il disait que. Bah, et ça, on l'a vu dans le docu de Squeezie aussi, que ce genre d'activité fait que tu n'as pas de vie. Tu n'as pas de vie. Donc euh, voilà, donc lui l'a fait, hein. il a assez peu de vie sociale en dehors de ça. Euh, après, il n'a pas forcément une personnalité où il disait que ça le, ça le rendait malheureux, mais je pense qu'à un moment donné, il va vouloir aussi euh, penser à lui. Hein. Ouais, il y a des gens qui est inquiets et tout. Bon, après, euh, vous inquiétez pas, que euh, ils vont pas non plus... Euh, se pousser, euh, se mettre en danger, mais ça peut être inquiétant des fois de se dire est-ce qu'il se rend vraiment compte que là il est au bout, euh, au bout du rouleau et tout. Donc c'est cool qu'ils disent aussi parce que c'est le meilleur moyen aussi de se préserver. Hein. Il est rentré le streamer depuis chez lui la dernière fois. Je sais pas là dans le dernier euh, le stream d'avant hier il était encore chez euh, chez Katamina donc euh, je sais pas. Bref c'est pas très important. Hier, il était rentré. Ok, bon. Vous suivez mieux que moi, tout ça. Mais bon, voilà. C'est l'occasion d'en parler! Il y a du suple à VOD. Ok, 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 ouais. Okay. Moi, c'est un streamer matinal désormais. Au secours. En tout cas, c'est quelqu'un à qui on doit beaucoup. Et moi, je sais que rien que pour ses formats au musée et tout, je, je trouve ça incroyable. Je trouve ça trop cool. Et rien que pour ça, j'aime trop... trop cette idée de. Voilà, d'avoir. Aussi, de considérer les gens. Euh seulement comme euh, euh, voilà euh, on va leur proposer du divertissement on va aussi leur montrer que bah, en fait ils peuvent kiffer des choses euh, les intéresser aussi à des choses quoi donc euh, avec aussi cette part de risque parce que quand il a commencé ce format il y avait aussi le risque que ça ne marche pas hein, que ça ne prenne pas hein, et euh, voilà prise de risque largement euh, largement euh, euh, gratifiante gratifiée je sais pas comment le dire bref il a pas volé son award, le book, voilà. Bref, ok, bon, je sais pas. Quoi, c'est quoi ce message Attends, il n'était pas rentré parce qu'à un moment du stream, il a mis le stream d'un américain chez qui il est allé deux minutes plus tard avec un drameur américain et un livre de recettes de cuisine avec du mesper, du mesper, quoi Ils sont trop bizarres les Américains. <laughs> ah bon je. <laughs> Oh là là, le jour où je vais commencer à creuser ça, je pense que je vais pas être au bout de mes peines. Hein. <laughs> enfin. Je... Oui, oui, cuisine avec du musper, du Ouais, ouais, ouais. ouais ah, mais c'est Ludwig, d'accord. Oui, c'est Ludwig, d'ailleurs. Et d'ailleurs, il y a aussi un truc dont j'ai pas parlé, et après, on clôture ce sujet, c'est qu'il a été énormément... Euh, il est apprécié par les communautés internationales, mais il est énormément apprécié par les streamers internationaux. Il racontait, genre, Ludwig, il... Ils le, ils le chérissent, mais genre, euh, c'est leur daronne. Genre, vraiment, ils prennent autant soin des toiles qu'ils prennent soin de leur daronne. C'est une dinguerie, genre. C'est ouf. Genre, euh, il disait que quand il était à la cérémonie des, des, des Awards, qu'il y avait Ludwig à côté de lui qui lui expliquait un petit peu les private jokes entre Américains pour qu'il soit pas perdu. C'est trop mignon. Genre, ça se voit qu'ils ont vraiment envie de l'intégrer, qu'il fasse partie des leurs, quoi. Limite, ils sont en train de nous le prendre, quoi. <laughs> C'est peut-être pour ça qu'il a cut son live, du coup. Je sais plus, bref. L'autre jour en reco YouTube, vidéo Ludwig avec plusieurs millions de vues avec étoile en casse. Non, mais étoiles, je vous dis, hein. C'est le début, hein. Vous l'aurez entendu ici. Moi, je pense qu'on est au début d'un de... mec qui va être très très haut euh, d'ici quelques temps. Hein. S'il continue sur cette lancée, si euh, il finit pas par, euh, je sais pas, euh, en avoir marre ou qu'il euh, y a une, un enchaînement d'opportunités qui continue comme ça, je vous promets, hein. Ça va se très 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 vite, hein. Ça peut se très très vite, hein. euh, Non seulement parce que sur Twitch ça peut se très vite, hein. On l'a vu, hein, Le Covid comment ça a été euh, révélateur de beaucoup de streamers parmi les plus gros aujourd'hui, hein, Que j'ai cité, plus que cité un, peu, un peu plus tôt dans le stream. Mais quand tu t'ouvres à l'international, mais c'est une folie, c'est une folie, hein. Oui, et puis TikTok, hein. Étoile, je connais pas, c'est un américain. Allez. C'est une étoile montante. C'est l'étoile montante du, du du stream français, oui, tout à fait. D'ailleurs, je l'avais mis, regardez. Non, je sais pas si je l'avais mis. Ah non, je, je l'avais mis étoile montante, mais euh, je sais pas si je l'ai mis. Si, voilà, l'étoile montante de Twitch. Il <laughs> y a un vrai jeu de mots. Espérons qu'elle soit pas filante. Magnifique, Joe. Et je pense que c'est là-dessus qu'on va arrêter ce sujet et on va passer au dernier sujet du jour, que assez rapide. Mais euh, je voulais en parler quand même parce que c'est important. Il euh, y a un petit truc qui s'est développé depuis quelques semaines euh, via un hashtag qui s'appelle la minute étudiante. D'ailleurs, même Hugo Décrypte en a parlé. Il y, y a des médias aussi qui en ont parlé. Est tout simplement en fait euh, un hashtag qui permet donc à des créateurs et des créatrices de contenu euh, qui, euh, bah, euh, qui euh, se décrivent comme étant des étudiants et des étudiantes euh, même certains ont commencé comme ça euh, si hugo en a parlé alors il s'agit de le décrypter quand même hein. nous en fait c'est tout simplement des gens qui vont euh, profiter, enfin profiter, qui vont euh, utiliser la fonctionnalité de monétisation de, de TikTok pour euh, euh, se faire un peu de thunes euh, et, euh, on va dire, euh, lutter contre leur précarité, en tout cas mettre en avant leur précarité et euh, bah, euh, potentiellement pouvoir euh, avoir un peu d'argent pour pouvoir manger à leur faim, pour pouvoir payer leurs quelques factures, etc., avec euh, quelques dizaines d'euros. Euh, ça a pris pas mal d'ampleur et on a des contenus euh, comme, euh, voilà. Euh, des, euh, alors le but, ce n'est pas, pas de créer du contenu, c'est justement de faire une vidéo qui dure une minute, au moins une minute, parce que bon, pour, être, pour être monétisé sur TikTok, il faut avoir euh, 10 000 followers et, euh, donc pour pouvoir être monétisé, et ensuite une, une, un TikTok peut être monétisé s'il fait plus d'une minute. Il y en a beaucoup qui profitent de cette fonctionnalité, on en parlait la semaine dernière avec le cas Abrèche Frère, qui du coup... Euh, euh, pour critiquer un peu aussi ces formats storytelling des fois un peu longs qui euh, vont euh, créer genre, euh, des contenus saucissonnés en 15 parties pour avoir 15 vidéos euh, monétisées plutôt qu'une seule. Et donc, euh, bah en vrai, Master, on en rigole, mais crois-moi que 30 euros quand tu as 0 euros sur ton compte en banque, ça peut t'aider. genre... Et, euh, et donc, euh, voilà, on a euh, donc une, une, une jeune fille qui euh, voilà, dit On est le 19 du mois, euh, tu es étudiante, tu essayes de rendre le repas que tu manges depuis trois semaines un peu moins fade. Donc là, elle est là, elle a des nouilles instantanées et elle met euh, énormément d'épices dedans. Euh, L'autre, voilà, ce TikTok dure une minute car tu es étudiant et tu dois 335 euros à la CAF et tu ne peux plus manger, manger qu'un plat par jour. Et donc, ils font des contenus de une minute pour pouvoir être un peu monétisés. Il y en a eu énormément euh, et ça permet de mettre en avant. Euh, 30 euros, tu manges 2-3 semaines en fonction de, de ce que tu manges. Ouais, bien sûr. Euh, donc c'est utiliser l'algo pour, euh, je ne sais pas si c'est rendre son quotidien facile, en tout cas c'est profiter des fonctionnalités de monétisation euh, des plateformes pour euh, se faire un peu d'argent. Je trouve que c'est hyper ingénieux euh, vu comme ça, parce que finalement, plutôt que de passer par des dons où en fait c'est toujours les gens précaires qui s'aident entre eux, pourquoi pas utiliser une plateforme qui brasse énormément pour en lui rapportant de l'argent, lui en soutirer un peu. Moi, je trouve ça intéressant. Après, ça c'est mon avis. Énormément, il y a énormément de critiques autour de ça parce que on est dans un mindset d'une société où, euh, bah oui, quand t'es étudiant, tu peux travailler à côté, tu es fainéant, euh, etc. Bon, ça, on va mettre de côté ça parce que pour moi, qui ai été étudiante et qui ne pouvais pas travailler en même temps que mes études, euh, je trouve que c'est le pire argument ever. Et puis surtout, il y a un truc de quand bien même tu peux travailler en faisant tes études. Tu seras toujours pénalisé face à quelqu'un qui a tout son temps libre pour travailler. Oh, crois-moi qu'il y a des gens qui mangent avec 30 euros pendant 2-3 semaines. Hein. Euh, crois-moi. Alors tu manges pas bien, mais tu manges. <laughs> quand t'as pas, pas le choix, tu manges. Hein. Donc c'est à la fois assez triste parce que ça me permet, encore une fois, de mettre en avant. Euh, de mettre en avant euh, bah, la précarité étudiante qui est un vrai, vrai problème de société. Et ce n'est pas nouveau, mais ça s'est clairement accentué avec l'inflation, la diminution des aides, le fait que, aussi, quand tu es étudiant, tu es considéré comme à la charge de tes parents et que, du coup, si tes parents gagnent assez d'argent, euh, même si le seuil est quand même vraiment. Enfin, il faut gagner déjà. Euh, Enfin, voilà Tu peux vite euh, passer, euh, euh, ne plus être éligible aux aides, et puis euh, c'est pas parce que tes parents gagnent bien leur vie qu'ils vont forcément te donner de l'argent. Donc voilà, tout ça c'est beaucoup de choses qui permettent de voir en fait que les étudiants, la majeure partie des étudiants, ont des situations très précaires. Le, tel le, le Covid a fait beaucoup de mal. Hein. On peut dire que c'est la faute à Macron. Ouais, Macron Mais c'était déjà un problème avant. Hein, mais bon. Euh, 30 euros, tu manges 15 jours tranquille et je suis en région parisienne. Ouais, mais tu manges pas bien. <laughs> tu manges, mais tu manges pas bien. Euh, tu manges pas équilibré tu manges pas à ta faim tu manges pas ce que tu veux tu manges voilà tu manges globalement des pâtes voilà, des pâtes et puis euh, et, euh, et voilà <laughs> et, euh, mais de toute façon quand t'as pas le choix même si as 10 euros pour manger une semaine tu vas faire avec hein. alors bien sûr tu vas pas pouvoir manger à ta faim mais tu vas faire avec et euh, alors oui c'est bon les pâtes mais enfin quand tu manges ça trois fois par jour euh, <laughs> J'arrivais à me faire 10-15 euros la semaine de nourriture quand j'étais étudiant, mais c'était il y a 8 ans avec l'inflation. Maintenant, je pense que c'est encore plus galère. Ouais, ouais, ouais. <laughs> c'est pas... Voilà, bon. Euh... Heureusement que est le resto était là. Moi, je sais que le resto à 1 euro quand j'étais étudiante, ça me permettait de pouvoir manger des légumes. Par exemple. Euh, de pouvoir manger des choses que je n'avais pas les moyens de me payer. Et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé parce que du coup, l'argent que je ne mettais pas dans la bouffe grâce à ça, je, me... je pouvais le mettre... Euh dans des bouquins. <laughs> D'ailleurs, il y en a aussi qui font des TikTok pour demander à ce qu'on, voilà, dire bah, « je dois acheter tel bouquin, euh, c'est euh, 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 obligatoire, mais j'ai pas d'aide, donc euh, bah, je fais ces TikTok pour pouvoir... Euh... » Et en fait, ça, ça a amené aussi à une transparence des gens par rapport à ça, puisque une fois qu'ils qu mettaient ce genre de vidéo, il y en a beaucoup aussi qui partagent « Bah voilà, grâce à vous, grâce à vos follow, grâce à vos commentaires, grâce à vos vues, j'ai pu gagner euh, 15, 20, 30 euros sur cette vidéo, etc. » Et, euh, et donc, il y a aussi ce truc de transparence de, bah en fait, euh, pendant très longtemps, euh, bah, et même encore aujourd'hui, l'argent des créateurs de contenu, c'est quelque chose d'assez. Euh, voilà, on parle pas trop de la monétisation, on ne parle pas exactement de combien on gagne, et du coup, de plus en plus, voilà, d'afficher, bah oui, j'ai gagné ça grâce à vous, bah voilà, quoi. Donc, euh, donc voilà. Euh, tout ça pour dire que. Euh, c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant parce que bah, non seulement ça permet de mettre encore plus en avant ce problème de société et puis en plus d'utiliser bah, l'argent de plateformes qui ont de l'argent <laughs> euh, plutôt que d'être sur des donations de gens qui euh, sont un peu toujours bah, les mêmes communautés qui s'entraident en elles et qui euh, bah, en fait euh, voilà galèrent, euh, galèrent toujours autant. Moi je trouve ça intéressant voilà de, de profiter de ça. Alors après ça a ses limites bien évidemment et puis euh, déjà pour pouvoir être monétisé sur euh, TikTok faut pas euh, voilà c'est pas du jour au lendemain quoi. La dernière fois que j'avais checké les tarifs du resto universitaire, c'est moins cher d'acheter un snack dans un truc à côté. Ouais, il y a beaucoup de restos aussi qui, comme ils ont été rachetés dans le, par le privé et tout, <coughs> j'avais vu ça il y a quelques temps. En fait, on n'a rien à foutre des prix, quoi. Et ils mettent des prix genre, ouais, 6 euros la pasta box, quoi. Super. Euh, <coughs> donc, donc, voilà par rapport à ça. Et je trouve que c'est intéressant de voir comment bah, en fait, euh, on essaye d'utiliser aujourd'hui les réseaux sociaux euh, pour aussi ce genre de problématiques et pour mettre en avant ce genre de problématiques, euh, de tirer la sonnette d'alarme, si je peux me permettre l'expression. Euh, et puis euh, ce hashtag aussi, moi je suis allée voir, euh, du coup les gens commentent pour euh, bah, euh, favoriser l'algorithme, etc. Et euh, c'est des... des enfin les veux dire les commentaires, c'est genre, euh, genre juste des commentaires pour faire des commentaires. Et on sent qu'il y a quand même une, une solidarité qui est quand même assez touchante à voir. quoi. Donc voilà, Donc euh, je voulais vous en parler aussi, si, si vous voyez ça passer et tout, je pense que c'est important de... Alors bien évidemment, on ne sait pas s'il y a des gens qui profitent de ça, mais bon, après vu le peu de thunes que ça rapporte, ça reste quand même des, des sommes assez... Euh, c'est vraiment pour des gens énormément dans le besoin, par du principe que les gens le font de manière honnête, même s'il y aura toujours des gens pour... Euh... Pour, pour, pour profiter de ça de manière immorale je pense que si, voilà, si vous voulez un peu soutenir ça bah peut-être voilà, allez, allez commenter, allez regarder des vidéos etc ça peut aider des gens. Voilà, ça peut aider des gens. Donc, donc voilà. Je vous laisse un peu débattre dans les, dans les commentaires. Oui, bien sûr. Oui, je vous laisse aussi débattre dans les commentaires si vous êtes en replay, bien évidemment. Mais euh, je vous laisse débattre dans le chat. C'est intéressant ce que vous dites. Après, je ne relève pas tout parce que, bon, malheureusement, je n'ai pas le temps. Mais... mais voilà, je voulais vous en parler euh, rapidement. Euh, des... Moi, c'est des sujets qui m'intéressent. Voir comment ça évolue. Est-ce que ça va amener un nouveau truc Est-ce que les plateformes vont essayer de... De, de, de lutter contre ça en disant que non, il faut produire du contenu, etc. Ça pourrait être amené. Après, je ne suis pas sûr que ça ait une ampleur assez importante pour interroger. Euh... Interroger euh, vraiment euh, la gestion des plateformes, mais je trouve que c'est euh, ingénieux et c'est une bonne idée. Je trouve que c'est une bonne idée, non seulement pour en parler, mais aussi pour essayer de trouver des solutions. Parce que, bah, euh, en dehors du fait que c'est pas forcément toujours évident de travailler quand on est euh, en études, euh, il faut le trouver aussi, le travail. Hein. C'est pas si évident que ça. Hein. Et puis, euh, parce que bah, euh, quand tu es étudiant tu, et que tu dois trouver un travail à côté, ça veut dire faire des lettres de motivation, aller déposer des, des CV, etc. Tout est, enfin, voilà, tout est compliqué en fait. Tout est très compliqué, donc euh, pourquoi pas utiliser euh, les réseaux sociaux, quoi, qui sont quand même quelque chose de relativement accessible, quoi. Donc voilà. Dire quand je, que quand j'étais étudiante à Nantes, je mangeais pour 70 euros par mois. Aujourd'hui, c'est une semaine à Paris limite. Ouais. ouais, ouais, bah moi je sais que je suis, euh, je sais que euh, je partage les frais euh, de la nourriture euh, euh, et que ça aide. Mais c'est vrai que euh, même quand on est dans une ville qui n'est pas Paris, tout reste très très cher. Hein. Euh, donc voilà. Et merci Wazou, euh, Je sais pas si j'ai dit euh, merci pour ton follow. Voilà voilà. J'aimerais bien bosser mais l'anxiété. Je connais vraiment personne. Heureusement que j'ai de la chance avec les allocs. Ouais. Heureusement qu'on a quelques aides en France quand même euh, qui sont quand même ce qu'elles sont. Euh, moi je sais que je pouvais pas parce que euh, quand j'étais en alors je travaillais un peu quand j'étais euh, en licence. Euh, mais c'est vrai que c'était une époque où euh, euh, j'avais pas forcément besoin, je payais pas de loyer, etc., parce que j'étais chez mes parents, donc c'était plutôt euh, ok là-dessus pour le coup. Hein, et quand je suis partie à Lyon faire mon master, euh, euh, bah, j'ai dû prendre un crédit pour pouvoir euh, juste euh, payer, euh, payer un appart, euh, parce que c'était quand même pas donné. Euh, et, euh, et, euh, et puis euh, parce que je pouvais pas travailler à côté, parce qu'en fait, quand on était en master, chaque semaine notre emploi du temps changeait. Et qu'on était, bah, comme j'étais en journaliste, on devait faire des reportages, etc. Donc globalement, euh, on avait peut-être, euh, on avait peut entre 15 et 20 heures de cours par semaine. Mais en fait, euh, même des fois, on se retrouvait à faire des reportages le samedi, le dimanche, etc. Euh, donc euh, en fait, c'était quasiment impossible de travailler, quoi. Et puis c'était trop bouffant et tout. Donc euh, voilà. Mais il y en avait d'autres qui travaillaient. Il y en avait dans ma dans ma licence qui a, dans mon master qui avait un petit peu moins de, de chance que moi et qui était obligé de travailler. Et il y en a pas mal qui sont pas allés au bout, quoi. Lyon pas donné. Bah non, Lyon pas donné. Hein. Quand tu payes presque 500 balles pour une chambre en coloc, c'est pas donné quoi. <laughs> de fou à Rennes, j'ai croisé des colocs de 8 dans un appart pour 5. C'est fou. Hein. voilà. Et encore, moi j'avais de la chance. Hein. Moi j'ai eu quand même de la chance par rapport à ça, mais euh, voilà. Je pense surtout à ceux qui doivent se loger quand ils sont à Paris, putain, quel enfer. Hein. Surtout pour les stages et tout, quoi. Quand t'es en stage, tu dois payer un loyer, que tu, tu gagnes 600 balles, en fait. C'est même pas le prix de ton loyer, quoi. Salut, Oksana. Ouais, c'est ça, cul d'art. Donc, euh, donc euh, encore une fois. Donc, et puis même, même si t'y arrives, c'est beaucoup plus dur. En bachelor d'école de commerce, je bossais le week-end, j'étais un extraterrestre dans le milieu. Tu m'étonnes En intérim, du moment que tu es véhiculé et que tu t'emballes avec du travail physique, tu taffes et c'est bien rémunéré. Oui, mais il faut avoir un véhicule. Hein. Il faut avoir le permis. Faut avoir les... Il faut déjà avoir le permis. Un trait de colis, j'étais à 15 balles de l'heure net. Ouais. J'hésitais à stopper les études juste pour le taf et faire les sous. Ouais, bah oui, il y en a qui font ça aussi. Hein. Moi, je sais que j'ai un, 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 un ami avec qui j'étais en licence qui travaillait à côté de ses études euh, dans un restaurant. Et en fait, il a fini par lâcher ses études pour euh, travailler dans ce restaurant à temps plein. Quoi. Donc c'est un choix et, et voilà, mais on était tous un peu attristés de se dire est-ce que c'est vraiment voilà est-ce que tu vas pas finir par le regretter parce que c'est important. Ça peut être important de faire des études, je dis pas que tout le monde se retrouve là-dedans, mais bon voilà. Il se passe quoi quand on reporte à Pharos euh, Ça dépend le signalement. Généralement, il peut y avoir une intervention. Ou en tout cas, euh... ça dépend pourquoi. <laughs> Très sous loc ma première année sur Paris. Let's go ouais. Puis en plus quand t'es en sous loc t'as pas le droit d'avoir d'aide. Tu peux pas avoir la CAF et tout, il me semble. Donc, ouais, la situation des étudiants. Euh, et même des non-étudiants en vrai. Hein, <laughs> des, des gens qui viennent de, qui rentrent dans le monde du travail. Euh, je sais de quoi je parle. Hein. C'est vraiment l'enfer. C'est vraiment l'enfer. Donc voilà, moi je soutiens. En tout cas. Durant mon master, j'avais mon mémoire, plus un taf le week-end, les reportages pour une agence italienne la semaine, un mois de taf en vacances adaptées l'été, la deuxième année j'enchaîne une semaine de CMO du G7, plus 33 semaines de taf vacances adaptées, du coup j'ai foiré mon mémoire. Tu m'étonnes. Bah ils vont, ils vont, je pense, ils vont, euh, ils vont faire sauter le compte, je pense, je sais pas. En tout cas, c'est toujours bon de le faire, le cinéma en Pharos. Il hein. y a rien à y perdre, en tout cas. Et en vrai, ils sont plutôt actifs euh, ces derniers temps, en Pharos. Donc, euh... alors je dis pas qu'ils vont débarquer chez le Boug, mais euh... mais dans tout cas, c'est bien de le reporter. Hein. Et puis sur le réseau social aussi, euh, c'est bien de le reporter parce que pour le coup, pour ça, ils sont plutôt euh, efficaces. Voilà, voilà. Bon, écoutez, les amis. Bon, pour terminer, euh... petit événement à ne pas louper. Hein. Le week-end prochain, Spidon. Hein. Je vous mets un peu quand il y a des événements, donc pour ceux qui euh, sauraient pas trop et tout, donc Speedon euh, qui est organisé à Lyon cette année, donc euh, qui sera à partir de jeudi prochain. Donc euh, je vous invite à aller suivre. Hein. Et euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas euh, Speedon, marathon caritatif euh, autour de la pratique du speedrun. Donc euh, le speedrun qui est euh, de faire des jeux le plus vite possible. Globalement, il hein, n'y a rien de plus à dire. Euh, et qui est euh, voilà. Et Navy d'ailleurs, euh, ma meuf stylée, euh, qui passe samedi matin, euh, qui a été invitée à Speedon, c'est incroyable. Incroyable. Je vais faire un shout-out si vous ne connaissez pas Navy. Évidemment, ma sœur. Euh, je sais même plus sur quel jeu elle est, mais voilà. Enfin, voilà. Euh, moi, je regarde que les speedruns de GeoGuessr. Voilà. <laughs> Sinon, c'est vraiment une pratique où je suis à la fois euh, fascinée et en même temps, je me dis, waouh, c'est wow, trop gros cerveau pour moi. Sur Sailor Moon, c'est ça, avec Jarmo. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. De euh, toute façon, euh, si, vous avez, si vous allez sur le site de Spidon, euh... ah oui d'ailleurs, je vais vous mettre, et je vous mettrai en barre d'infos euh, les liens des vidéos et tout comme d'habitude. Je vous partage dans le chat la vidéo de Sonia euh, lue sur du coup euh, l'affaire de Ruby euh, Frankie. Hop, que je vous invite. Il y a aussi celle de Sadiovana, il y a aussi bon, il y en a pas mal des vidéos, mais celle-là est vraiment bien faite. Je vous mets le lien vers Spidon, bien sûr pour avoir le planning. C'est toute c'est tout, c'est à partir de jeudi jusqu'à dimanche, euh, voilà. Et c'est pour Médecins du Monde comme d'habitude. Donc euh, voilà, l'année dernière ils avaient dépassé le million, donc euh, pour le coup c'est vraiment un événement qui a pris une ampleur de fou sur une pratique qui est très 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 niche à la base. Donc c'est très bien. Hein. Moi c'est comme ça que j'ai découvert le speedrun, hein. c'est grâce à Spidon, honnêtement, hein. je vais vous le dire. Et voilà, et je vous mettrai aussi du coup euh, dans la barre d'infos euh, du, du replay euh, tous les autres, euh, tout, euh, plein autres euh, euh, tout plein d'autres, tout euh, plein d'autres vidéos et articles si vous voulez euh, creuser euh, les sujets dont on a parlé aujourd'hui. Voilà, voilà. Bon écoutez les amis, euh, en tout cas merci d'avoir suivi ce live, merci d'avoir suivi ce replay. Euh, je vous dis à la semaine prochaine, n'hésitez pas si ça vous a plu à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire. Et, euh, et merci à vous.